sommes en live! Les amis, vous êtes sur Creative Wargame et nous sommes sur Twitch pour le Creative Wargame Championship 3! Aujourd'hui, ce matin, deuxième quart de finale qui opposera à ma droite l'ami Kuro qui nous vient non pas de Lyon mais bien de Lille. Il représente l'équipe des cuirs moustaches ainsi que toute la population barbue de France. Donc Kuro qui nous vient avec la faction Space Marines et le supplément de Codex Black Templar. Il jouera contre l'homme qui est à ma gauche qu'on ne présente plus. C'est l'ami LOL qui viendra avec son codex Imperial Knight et qui lui représente la France entière puisque c'est notre sélectionneur national. On l'applaudit. On applaudit Kuro si on n'a pas applaudi Kuro. Donc voilà. Merci à tous les deux d'être là. On va prendre 2 secondes pour présenter Kuro parce que c'est la première fois que tu viens sur scène, sur la piste, tout à fait, sur le champ de bataille. Donc c'est cool. En plus, on t'a saucé, on t'a mis un personnage face à toi, voilà, histoire que tu prennes un petit coup de pression, ça fait plaisir. Donc Kuro, raconte-nous tout, d'où tu viens, qui tu es, comment ça se passe. Alors, je m'appelle Simon, j'ai 32 ans, je viens de Lille. J'ai commencé le wargame il y a très longtemps avec les Black Templars, c'est mon armée de cœur et je pense que je le rends bien. J'ai fait une grande pause et en fait j'ai recommencé en début V8, où comme tout le monde a des défauts, j'ai joué tôt. Allez, on te pardonne. Et après, je suis passé sur la Deathwatch quand la Deathwatch est sortie. Et après, quand le Psychic Awakening 2 avec le supplément Black Templar est sorti, j'ai décidé de repasser sur eux et je les ai pas lâchés depuis. Et je connais tous les Space Marines, j'ai un peu joué tous les Space Marines, mais les Black Templar, c'est vraiment mon armée de cœur, je peux pas les lâcher. Ouais, c'est super. Ok, et donc l'équipe Cuir Moustache. Alors, l'équipe de Cuir Moustache, elle est un peu particulière dans la méta française. C'est qu'en fait, on a été créé au début du deuxième confinement, okay, sur Tabletop Simulator, donc TTS. Et du coup, en fait, on est un peu éparpillé dans toute la France. Zig, au début, faisait partie des nôtres sur TTS. On a un Niçois qui est bombé. Je lui fais un petit bisou, d'ailleurs, je pense qu'il va regarder. On a beaucoup du Nord, essentiellement, avec Monsieur Toc, etc., qui font partie du Nord. Et on a aussi des Bretons avec nous. On a FX, qui est un Breton, et voilà, donc on s'est regroupé sur TTS et du jour au lendemain, quand tu as annoncé le Master and Commander 2, on s'est dit, bah, pourquoi pas. Il est temps qu'on sorte de devant nos écrans. C'est ça. Allez on y va. Et on achète des figues, les gars. On les peint. Merde. T'as une armée complète à me péter. Et du coup, on est au Master and Commander 2 et on s'en est pas trop mal sorti. On a fini 5e. Voilà, pour une première sortie, je pense que c'était pas si mal. Et du coup, on s'est inscrit derrière à la Ligue. On a commencé en Ligue 3. Et on est sorti premier de la Ligue 3, non sans mal. Et on finit, donc on commence la Ligue 2 en début de saison prochaine. Ouais, ben génial. Écoute, bravo. Merci. Ouais, tu te présentes plus, hein. Ça branle, lol, là, c'est bon. Moi, j'arrive. Que vous dire de plus? On en est en phase pré-game, donc il nous restera maintenant plus que le G d'initiative à faire. Et donc, on va pouvoir rapidement se projeter sur la table de jeu. Nos joueurs vont vous présenter leur déploiement. Je précise qu'à l'instar de nombreux lives qu'on a l'habitude de faire sur Creative Wargame, sur cela, les stratégies des joueurs et on va dire les intentions de jeu pré-game ne sont pas dévoilées pour des raisons stratégiques évidentes. Puisque sur Creative Wargame, vous savez, on a l'habitude aussi d'apporter cette pédagogie de jeu de « je vais faire ça parce que ceci, je vais faire cela sans doute parce que tutti quanti grazie all'italienne. » Ok, ça on ne le fera pas pour que les joueurs puissent garder leur stratégie. On en parlera un petit peu plus dans le débrief ou alors lors peut-être d'un live après, un peu plus tard, débrief général de l'event. On verra comment on procède. Voilà. Et je vous propose qu'on passe en caméra zénithale, mon Francky. Et que faites un petit pierre feuille ciseaux là vite fait comme ça très rapidement. Allez pierre feuille ciseaux. Ok, pierre feuille ciseaux. Ok. C'est LOL qui va commencer à nous présenter son déploiement. Vas-y, je t'invite à passer sur bien le côté sûr de la table et à nous dire ce que tu as fait et à la limite Bob si tu veux passer en mobile en même temps. Ouais. Voilà. On nous a fait la remarque Bob pour la mobile hier. On l'a comme il n'y a pas de stabilisateur. Enfin il y a un stabilisateur mais il est très light. Faut la manier avec plus de délicatesse. On a été un petit peu brutal sur le minimum. C'est à moi que tu demandes ça.
Voilà. C'est Namek qui nous a dit ça. Hein. Namek qui est notre critique. C'est lui qui nous fait les classements TripAdvisor de la chaîne. Tout ce qui va pas, tu reçois un message direct de Namek. Là par contre, les gars, ça c'était pas terrible. Alors, déploiement très subtil. Parce que, comme je vous le dis, subtil qui se joue beaucoup sur la micro. C'est très important. Donc j'ai fait une sorte de petite ligne 24 heures du monde, essayant de planquer ce que je pouvais, parce que comme les gros sont pas planquables derrière les petites ruines, j'ai pas pris vraiment de risque, sachant que il a du tir mais pas énormément, et là c'est deux vindicators. Donc le but va être de prendre la map si j'ai le T1 ou de réagir si j'ai pas le T1. Donc j'ai un petit Warglaive qui est là pour se projeter, qui est caché derrière cette petite ruine. J'ai mes deux gros papas, donc mon paladin et mon croisé, qui sont quasiment 24 heures du Mans sur l'objet. Deux Elverines, un petit troisième qui est juste derrière, qui va essayer d'aller chercher des lignes de vue, et deux Warglaive en squadron, en escadron, qui sont un derrière la ruine et un devant la ruine, planqués derrière les containers. Est-ce qu'on veut juste s'arrêter deux secondes sur les gros pour que tu nous dises, en trait de seigneur de guerre et en relique, qui a quoi, qui fait quoi, s'il te plaît? Mon trait de seigneur de guerre, c'est le... paladin. Donc vous avez vu, ils ont tous les deux des nacelles. En trait de seigneur de guerre, il a la 4+1 vue contre les tirs. Et en relique, il a le Home Dominatus. Ça veut dire que son aptitude de liche, qui en l'occurrence pour les paladins, c'est reroll 1 touche et reroll 1 blesse. Quand il va la donner à un petit Warglaive, tant que lui est vivant, le Warglaive peut la garder toute la partie. Donc c'est l'avantage, c'est que c'est cumulatif. Comme il peut la donner deux fois au fur et à mesure, à partir de T3, T4, ceux que je voudrais buffer seront buffés pendant un long moment. Le croisé. Il est tacticien, ah oui, lui est princeps, c'est des cours exaltés qui leur donnent des bonus. Le croisé est tacticien et il a comme relique la superbe Gatling Fureur de l'Infini qui fait 12 tirs plus des 6, PA-3, 2 dégâts flat. Et il a comme trait supplémentaire étant tacticien, il a plus un save sur tous les dégâts 1. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'en face, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, grosso modo, c'est les seuls à être personnages, à être buffés. Mes Pichous n'ont pas de bonus. Ok. Ça, c'est pratique avec les IKA. Les présentations de déploiement, ça se fait plutôt rapidement. On va passer du coup... Tiens, vas-y, envoie. Tac. On va passer du coup sur les BT. Tu peux envoyer. Alors, du coup, en fait, je me suis un peu éparpillé partout parce que je sais qu'il va vouloir faire un contrôle de map avec tous ces petits. Donc, du coup, en fait, j'ai éparpillé un peu mes ressources pour être assez équivalent. Surtout qu'en fait, mes ressources sont avec mes deux chaplains parce qu'il y en a un qui donne le super OP avec son trait de seigneur de guerre. Et sa relique, c'est qu'il ne prend qu'un seul dégât quoi qu'il arrive. Donc, du coup, ça le rend assez tanky avec ses 7 PV. Donc, en fait, il va pouvoir aller un peu partout vu que c'est assez ouvert sur les côtés. Mon autre chaplain, c'est mon Smash. Donc lui, en trait de seigneur de guerre, il a plus une attaque et fight first. En relique, il a la relique des chaplains, l'arme, donc qui fait dégâts 3 et des... plus 1 PA, dégâts 3, et les 6 pour blesser, mettre des BM en plus. Bénédiction sur heure. Tout à fait. Et donc au niveau des litanies, lui, il aura plus de la charge. Et lui, il a un Fin Open à 5 sur unité corps ou personnage à 6 pas. Et l'effet qui se coule, c'est la deuxième litanie, c'est en gros, il gagne plus un force, il gagne fight first, donc deux fight first c'est un peu inutile, mais bon, c'est surtout pour le dernier effet, c'est qu'en fait c'est 6 pour toucher, génère 2 touches en plus. Donc en fait, ce monsieur, quand il arrive au corps à corps, il peut découper assez facilement. Ça cause. Ce qui cause, effectivement. Okay. J'ai deux vindicators, donc c'est l'incompréhension pour la plupart des gens dans ma liste, mais... un petit endurance 8 de sauvegarde à 2 avec un petit AOC Armor of Content hein, pour, voilà, excusez-moi, pour les non-initiés. Donc c'est le moins 1 PA natif des Space Marines. Pour 130 points, c'est pas si mal, etc. Ensuite, donc là-bas, il y a mon gros côté vraiment qui tâche avec les centurions. Donc c'est 5 centurions d'assaut. Je paye un CP pour que mon sergent passe maître. Chef de la fête, en gros il gagne plus un CC, plus un PV et plus une attaque. Donc ça fait que ce petit centurion, au corps à corps, il a 6 attaques de force 10 PA moins 5 dégâts 3 et il réduit les dégâts de 1. Donc en vœu, Black Templar, ce que j'ai choisi avant le déploiement, j'ai choisi le fait d'être toujours en doctrine d'assaut au corps à corps et toujours plus une attaque quoi qu'il arrive.
Donc comme ça, même si le corps à corps dure, bah, j'aurai toujours le maximum d'attaques que je peux faire. Et c'est à peu près tout. Ok, on peut passer, on peut changer la cam. Super, on n'a pas parlé de vos secondaires. LOL, tu nous dis ce que t'as pris? J'ai pris assassinat, puisqu'il y a un peu plus de 15 points sur la table de personnages. Derrière, j'ai pris les points d'honneur. Dis-nous ce que ça fait. Le point d'honneur, je vais, tant que je gagne des points d'honneur, ou si j'arrive au maximum qui est de 6, je marque 3 points et 2 points. Et à la fin, en fonction du niveau dans lequel je suis, c'est-à-dire déshonoré, honorable ou vertueux, j'aurai des points supplémentaires. Okay. Et le dernier que j'ai pris, c'est l'équivalent de domination pour les IK. Ça veut dire qu'il faut que je contrôle des objets. Voilà. Donc j'ai pris 2 IK et un assassinat. La liste de Kuro offre pas beaucoup de choix hors assassinat. Et puis le but, c'était de rester dans cette logique IK qui va bien. Voilà. Ok. Kuro, les secondaires? Alors, au niveau des secondaires, bah déjà, il y en a un qui était assez facile à choisir, c'était détruire les véhicules. Capitaine Adius. Celui-là, il était assez simple à choisir. Je me suis déjà beaucoup plus posé la question sur les autres, parce qu'effectivement, vu que les petits IK sont super OP et comptant pour 5, donc j'ai quand même pris les bannières, parce que c'est un scénario à 6 objets. J'ai beaucoup d'infanterie, donc je peux aller chercher plus ou moins des objets. Et le dernier, c'est, je pense que tous les Space Marines connaissent, c'est le serment de l'instant. Donc péter un véhicule, ne pas fuir, ne pas désengager et contrôler le centre. Je me permets, je lance comme hier une petite prédiction, dites-nous dans le chat. Ah, je vous la lance. Je suite. Pense que ce sera Kuro, parce qu'il y a un gros soutien à Kuro et je trouve ça. Hier, j'ai eu la même, et c'est toujours pareil, dès que je joue des mecs qui sont tous pour l'adversaire. Sauf que hier, le sondage m'avait donné moi. Non, alors que Bob il était venu avec toute sa fanbase. J'ai venu avec tous mes petits bubons. Voilà. La prédiction est lancée, votez pour qui est votre chouchou, qui est le gagnant selon vous. Pour cette partie. Une petite question. Ah ouais, bah les gars, il n'y en a qu'un hashtag, mais vous savez. Hein, bon, sur Covidus, ça peut aller très très vite. J'avais une question pour Kuro pendant la prédit. Serment de l'instant, il y a eu une modification avec Néphilim. Oui, tout à fait. On a perdu un point sur le contrôle du centre. Seulement un point sur le contrôle du centre. C'est quand même un gros nerf. C'est mérité. Ouais. C'est pas si mérité. Ok, en fait, non. C'est mérité pour certaines listes, mais pas tout. Est-ce qu'on peut passer sur la zénithale? Deux petites secondes avant que nos joueurs commencent. Bam. Très bien. Les amis, nous jouons le scénario 13 du chapter approved de Néphiline Data Salvage. Vous avez 6 objectifs sur la table. Pour scorer 4, 8 et 12, il faut contrôler 2, 3 et plus que son adversaire. Particularité du scénario, lorsqu'une unité objectif sécure contrôle un objectif, elle peut le quitter et il est toujours en possession du joueur opérant qui était dessus, sauf si évidemment quelqu'un d'autre, si l'adversaire le prend. Et la particularité aussi, c'est le primaire bis qui consiste à faire une action sur l'objectif qu'on a dans sa zone avec n'importe quel type d'unité. Et à la fin du tour, vous marquez autant de points que vous contrôlez d'objectifs dans le No Man's Land. Il y en a 4 et c'est limité à 3 points. Voilà pour ça. Et je vous ai donc parlé de toutes les spécificités de ce scénario. Nous jouons sur une table WTC, sur la table numéro 1. Les scénarios des quarts de finale et la table des quarts de finale sera identique pour tout le monde. C'était pour nous une question d'ajustement et aussi une question d'équité pour que tout le monde puisse se préparer tranquillement, avoir la liste adverse, etc. Je vais pas me justifier, de toute façon, j'en ai rien à secouer de ce que vous pensez. Voilà, et donc bah, tout est dit, tout est fait. On va se projeter ici. Des noirs pour Kuro parce qu'il joue Black Templar. C'est fluff, hein. Des blancs pour LOL parce qu'il a un t-shirt blanc. Et pour l'initiative, les amis, c'est parti. Liste de dés, c'est bon ? On est chaud ? Liste de dés, on est bon. Allez, c'est parti. Hein. Et moi, j'ai le terme. L'initiative est à Kuro. On va donc se transposer sur la phase de commandement. Je te laisse annoncer ce que tu as et ce que tu veux faire et attaquer ta phase de move. Alors, bah, sachant que le T1 m'arrange à moitié, c'est que je voulais le T1 pour pouvoir l'obliger à faire des choix. Donc, j'ai le T1. Mais c'est qu'au niveau de ma létalité, je serais vraiment moindre. Donc là, je vais juste jouer safe. On va attendre. Donc du coup, la phase de commandement, je me suis mis à 6 pas avec Elbrecht de mon chaplain, de mon smash. Donc il va avoir la full reroll des touches, ce petit monsieur. Et du coup, on va passer au litanie. Donc bah, lui, il va lancer le plus 2 à la charge, même si ça sert à rien pour l'instant. Ça passe pas. On va rester sur les dés noirs, je crois. Et du coup, l'autre, il va donner un Feel No Pain à 5 plus... il va se le donner à lui-même, ça passe, et il va se booster pour avoir les 6 explos, ça passe. Donc le monsieur là est full buffé. Ok.
Au niveau, donc je passe à un CP parce que je démarre à 0. Et LOL passe à 3. Et LOL passe à 3. Je... Vas-y, ça marche. Je passe à 3. Et du coup, on va passer à la phase de mouvement. Et Kuro, tu vas juste rapidement nous dire ce que tu as fait sur ta phase de move. Je pense que là on voit bien, vas-y, dis-nous, alors, dis-nous en bref. Dans un premier temps, bah, j'ai avancé les vindicateurs à fond balle, à 12. Voilà. Ligne droite, histoire de prendre une petite ligne de vue ici pour tirer, là-bas aussi. C'est vraiment anecdotique, leur but n'est pas que de ça. Et ensuite, après, bah, tout le reste, c'est caché. Vraiment, à part pour prendre un objectif ici, un objectif là-bas pour mettre trois bannières. Sinon, tout le reste est caché plus ou moins. Ici, bah, j'ai mes deux unités qui prennent le centre de table, histoire de dire... On fait le hausse. Si jamais il me tue une unité, j'ai peut-être l'autre qui est survie, on sait jamais. T'as mis une bannière là ? Oui. Qui fait l'action du scénario ? Eux. Ils mettent une bannière, ils font l'action du scénario ? L'action du scénario. Ah non, l'action du scénario, j'en ai aucun qui le fait pour l'instant. C'est une erreur peut-être ? Non, je peux pas faire autrement. Tu peux pas le faire avec Elbridge par exemple ? Là non. D'accord. Pas dans ce que j'ai fait, malheureusement. Non, mais je sais que T1, je peux pas faire ça, malheureusement. Ok, d'accord. Si on est, je précise quand même si c'est dans le cadre du championship, il y a quand même le fait de jouer en live qui peut éventuellement mettre, pas une pression au joueur, mais un petit moment d'inattention, en plus on discute, etc. À partir du moment où les choses peuvent être faites, dans le cas d'un oubli, on se permet de revenir légèrement sur l'action ou de corriger, donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça, ça peut tout à fait arriver. Sauf pour LOL. Vraiment, LOL, on aucune pitié pour ce gars-là. Franchement, il est en mode sans échec, 2.0. Donc voilà. Fin de phase de move. Phase de psy, ouais, génial. Ok, vas-y, tu peux donc attaquer ta phase de tir. Ça va aller très vite. J'ai du coup le vindicateur qui va tirer sur ton Armiger ici. Lequel je veux qu'il survive. Ok, bah, je vais utiliser un point de coup pour claquer la 4 plus 1 vue au tir. Et bah c'est parti, décide tir, ça fera 4. Vas-y. Je touche à 3 plus. Bah, tout touche. Et je blesse à 3 plus. Ça te fait 2 blessures, AP à moins, donc un vrai. Je ne trouverai jamais la 2, évidemment. C'est pas drôle, sinon. 2 à moins 4. À moins 4. Bon, je pense que ça va être la 4 plus. Hein. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et bah, une qui passe pas. 2 qui passe pas. Est-ce que j'en relance une? C'est 2 dés de 6. C'est 2 dés de 6, là, tout à fait. Franchement. Vas-y. Franchement, tu me pètes un petit. Il peut pas possible, il te reste. Elle a 13, les tirs, oui, c'est vrai. Mais si je fais 12. Mais si je fais 12, c'est beau. Ouais, c'est beau. Ouais. C'est bon, bah, c'est parti. Le premier fera 5. Et le deuxième fera 5. Voilà, c'est bon. Ok, le mec a des vindicateurs un peu péchu. 7, 8. T'as des charges, ça fait que 2 tirs au D6. Non, j'ai fait 4, j'ai fait 2 blessures seulement. Et ben bravo, 10 PEV. Il en reste 3. Allez, on est sur du vindicateur de qualité. Celui-ci, il a passé ses révisions il n'y a pas très longtemps. Il y a 2-3 skips du Mechanicus qui ont bien fait le job, a priori. Ouais, là, je pense que. Ok, donc 10 PV perdu sur l'RK qui est ici, donc le Vindic a tiré. T'as des Stormbolters sur le Vindic ? Non, c'est 5 points. Ok, effectivement. Non, c'est... ça coûte 1 point. Qu'est-ce que tu nous fais l'autre ? Bah, le deuxième sur le deuxième. Hop, le deuxième, ça fera 2 tirs, qui touche à 3, et ben rien. Ok, le Vindic était là, qui sait que t'es sur le truc. Voilà, c'est là ça a résumé tout l'intérêt que je porte au Vindicator, c'est-à-dire qu'il y en a un qui fait 10 PV et l'autre qui fait 0. Voilà, c'est ça le problème, c'est aléatoire. Qui on a discuté en pré-game est corrigé par la nouvelle data qui est amenée avec le codex SNC. C'est ça, tout à fait. Où t'as D3 tirs plus 3 qui font D3 damage plus 3. Donc ça change quand même. Sinon, au niveau de mon mouvement, j'ai advance avec quasiment tout le monde, les centurions ont changé de couvert en gros. Et tout le reste est mis pour protéger les personnages et lui dire que bah, ce flanc-là, c'est à moi. Ok. Phase de tir terminée ? C'est terminé. C'était propre, c'était rapide. Ça, au moins, on aime ça. Phase de corps à corps, il n'y en a pas ? Non. Ok. Donc, on arrive à la fin de ton tour. On fait ton scoring. C'est parti. Je prends ma petite craie. Première bis, tu mets 2 points. Non, ce que j'ai non, pas... tu n'as pas fait l'action. Ok. Je t'en veux énormément de ne pas avoir fait cette action. Je sais. House of Moments. Pour l'instant, rien, parce que c'est la fin du tour. Enfin, très bien. Abattez-les. Bah, j'ai la peau de mes rouleaux et les bannières, c'est à ton début de phase de cours. LOL, tu avec récupères corps en point de corps. 1, 2, 3. D'accord, donc là avec c'est avec lui. Non, attends, c'est qui parce qu'ils ont... C'est avec eux, ils ont fait que 6. Ok, ils ont pas advance. Non. Et là c'est avec. Avec les jaunes. Qui ont pas advance non plus. Vous reprenez un petit point de corps, les gars, tous, et puis on va laisser LOL nous deux. Oui. Pourquoi t'en prends deux tours? Parce que mon code chevaleresque fait qu'à ma phase de commandement, tant que je suis honoré, parce que je commence à 1, je prends 2 points de co. Et comme ça, toutes les phases de co?
toutes les miennes. Ok, les tiennes. Ça marche, ça commence à piquer. 4 PC partout. Ça commence à être désagréable. C'était pas hyper fun. Vas-y, je te laisse faire ta phase de co si t'as des euros. Oui, j'en ai 2-3. J'en ai 2-3. Allez, tac, tac, tac. Ce qu'on va faire. Alors, déjà, je regagne un point de vie. Je passe à 4. Hop. Est-ce qu'il ne le rend plus dégressif? Il me fait monter un palier. Il a l'œil, Kuro. Il me fait monter un palier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Donc voilà, donc j'ai mis mes aptitudes de lige. Qu'est-ce donc que cette diablerie? Le but, c'est de buffer mes petits garçons aussi pour qu'ils prennent moins un dommage. Parce que dès qu'ils sont sous aptitude de lige, ils prennent moins un dommage. Donc j'ai mis plus un ballistic skill là. Et j'ai mis 2 reroll hit pour eux. Voilà, et on va dire que celui qui va la garder de manière permanente. Le permafrost. Ça va être lui. Ok. Voilà. Là, comme tu leur as mis les bonus, ils ont un moins un damage en plus. Exactement. C'est que sur le tour, c'est toute la partie. C'est tant qu'ils sont en aptitude. Donc ça veut dire que ceux avec son seigneur de guerre l'ont tout le temps. Ok, ça marche. C'est un peu fort ça. Un peu. Ça bouge de 5. Oui. Ça peut être 26 tirés. Oui. Par contre, ça peut pas être 26 charges et ça a dévote push à ma phase. Non, ils sont pas corps. Eux, ils sont pas corps. Non. Les Blade Guard le sont. Oui. Tout le reste en fait. Là, tout le reste peut dévote push à part les vindicateurs et les centurions. Ça marche. Bon, on va partir pour ça, c'est mort. Ça et ça, sur un malentendu, ça devrait le faire. Après le centre, pour l'instant, on va te le laisser. Ça marche. Phase de co terminée. Je vais démarrer ma phase de movement. Ok, c'est parti. Donc on a fini ta phase de move. On est déjà en zénithal. Je vais prendre la mobile. Et tu vas nous saucer de ce que tu as fait en phase de move. Vas-y, mon lol. Alors, je voulais pas trop m'exposer, mais en fait, il y a. Non, je me partais le fait d'arrêter. Je voulais pas trop m'exposer, mais en fait, il y a une opportunité que je veux potentiellement. Capitaliser. Capitaliser. C'est le fait qu'il ait mis un Blade Guard devant. On est d'accord? Ok. Fait que j'ai une ligne de vue sur toute une escouade de Blade Guard. Clairement, les Blade Guard et les Centurions sont ce qui me fait les plus chier. Bien sûr, les Vindicators, parce que vous avez vu. Vindicator, c'est capable du pire que du meilleur, c'est comme un mariage. Donc le but va être d'éliminer ou d'amenuiser au maximum les Vindicators. Donc là, j'ai 2 Armigueurs, lance thermale, comme un Kabour, qui vont essayer de nettoyer. Là, pareil, entre le gros garçon, lui et lui, voilà, je vais maximiser les lignes de vue pour essayer d'éliminer aussi les squads qui est au milieu. Le but est qu'il, pour House of the Moment, qu'il soit obligé d'envoyer des ressources. Et lui, donc, il s'est mis avec une ligne de vue sur les Blade Guards, sachant que c'est le croisé. Ce qui veut dire que je peux lui coller 2-3 trucs rigolos pour qu'il avoine. Voilà, et c'est donc lui qui va faire l'action, puisque l'avantage quand t'as une Estica et que t'es sur un scénario action, bah, t'es obligé d'en gâcher un. Donc ça veut dire que lui, il va faire l'action pour que je puisse marquer 2 points de primaire, secondaire. Voilà. Phase de psy terminée. Phase de psy terminée, on va commencer à la phase de tir. Il y a beaucoup de phases de psy dans cette phase. Et on va commencer par l'obvious, ça veut dire les petits garçons qui sont là. Donc on va commencer par un petit cercle là, Francky. Et tu vas te salver le rhino. Alors le premier qui est tout au fond va tirer sur le Vindicator. Donc il n'est pas à portée de grand fuseur, mais il est à portée de lance thermale. Ok, il a bénéficié de bonus, mais en début de phase, il a rien du tout. Ok, ça marche. Allez, premier tir de Fufu. Les 2 lances thermales. Oui, lanceurs. Les 2 passes. Yes, ça touche. Force 9 de mémoire. Je check pour éviter que tu nous joues. Je crois, de mémoire. Force 9, donc en du 8. C'est ça. Sur les 3. Ça blesse à 3. Une, PA-4. Donc PA-3. J'ai une sauvegarde à 2, une 5 plus, ça ratait. Et est-ce que je suis à mi-portée? C'est 12. C'est 15. Il y a moyen. Non, j'y suis pas. Donc ce sera des 6 et ce sera un 2. Et 2 PEV sur le Vindicator par le premier. C'est, comment on les appelle ces mecs-là? Les Armiguer. Alors en français c'est Esther. Ouais, non, mais en vrai, c'est Warglaive. Ok, donc un Warglaive, ok. Le deuxième qui est dégressif mais qui a plus un Balletic Skill. Yes. Donc qui va passer exactement à 3. Si t'es à 4, il repasse à 3. Les 2 lances thermales, une qui passe. Je vais faire le fuseur au passage, t'es d'accord, parce qu'il a apporté le fuseur. Oui. Les 2 passent. Donc lui, force 8, donc sur du 4, ça passe. Et lui, sur du 3, non. Donc la même chose, sauvegarde à 5, ça tank. Bravo. Ok. On va faire le petit garçon qui est au fond. Le petit garçon qui est au fond, je pense que la mitrailleuse n'est pas à portée. Ah si. Et ben on va tout mettre sur tes garçons, je veux. Ok, alors je vais juste te mettre un moins 1 pour toucher. J'ai déjà un moins 1. T'as déjà moins 1, bah c'est bon. Parce que je passe, je pense et à il travers. Il s'est pas mis. Non, lui c'est la reroll, donc rien du tout. Voilà, donc je suis pas sûr que ce soit pas là. Après tu peux claquer tes PC. Non, ça va aller. La mitrailleuse. Hop, et sur du 4, reroll des 1,
Si on a... Hop, excuse-moi. Si on a deux pour l'instant. Si on a deux, s'il te plaît, sans PA. Sans PA, donc sauvegarde à deux, parce que je suis à couvert. Ouais, ouais. Oups. On est bon. Ça marche. Les 4 des 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 3 plus qui passe à 4 plus, révèle des 1. Heureusement qu'il y a des 1. Heureusement qu'il y a des 1. Ouais. Ouais. Parce que, ah, il y a déjà. 4, 2. Ouais. Et ben, joli. 2, force 7, du sur du 3. Révèle des 1. Une PA moins 2. Donc ça passe à PA moins 1. Et à couvert, je suis à couvert, donc 4 plus. Raté, ça fait un mort. Yes. Et ce sera ce monsieur. Ça, c'est fait. Ça marche. On va continuer dans ce sens-là. Pour que ce soit le plus lisible. Donc lui ne peut pas faire parce qu'il ne fait pas d'action. Lui, on va le garder pour la fin, pour le fun. On va passer à ce garçon-là qui va mettre tout dans le 24. Et celui là, je vais, par contre, claquer un CP et t'auras moins un pour me toucher. Tu vas faire de la fumaille. Je fais la fumaille. J'ai utilisé un balistique, skill. Hein. Ouais, mais c'est okay, vu que marche. Tu vas, si tu me le tues pas en one shot, tu es un 2 et tu passes à un PC et un Kuro. Tout à fait. Donc mon 2 plus repasse à 3. On est ici, Denis. C'est bon ? Vas-y, 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 t'inquiète, t'inquiète. Non, c'est des incursors. Et 3 plus, une, c'est si passe. Donc à 5 plus, comme tout à l'heure. Raté. Là, je suis à mi-portée. Oui, là. Ça fait 1. Des 6 plus ouais, 2. T'as 15 là, ouais. Ouais. Des 6 plus 2, 5 si t'as. Ça fait 5 plus. Kuro, on a un questionnement dans le chat. Oui. Ton vindicateur, il a pas une lame qui lui donne plus en save ? Si, 2 plus. Il a, donc c'est mais les fuseurs c'est PA-4, donc je passe à PA-3, ça fait une 5 plus. Vous avez votre réponse. Lui. Ah, les deux mitrailleuses sur eux. L'obusier dans ta mouille. Il est l'obusier sur la figure. En fait, c'est mauvais aimant. J'ai un obusier si tu veux, mais il est moche, il n'est pas lié à la fille. Je sais pas si on autorise ça, surtout pour toi. L'obusier. L'obusier sur lui. Ouais, l'obusier sur lui. Tout sur lui en fait, sauf les mitrailleuses. Allez. 2, 3, 4. Donc là, on a le gros, comment il s'appelle celui-là ? C'est le paladin. Le paladin, il envoie toutes ses grosses armes sur le vindic et il envoie de la petite rafale. Mitrailleuse déjà. D'opportunité. Les gars, on a atteint les 60 subs. C'est le faïa. Ça fait grave plaisir, les gars. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Merci Boca pour tous ces cadeaux. Ça a été tanké au centre de la table par les infiltrators. L'obusier. Et maintenant, ça tire du lourd sur le vindicator. 3 tirs d'obusier. Rien, puisque tu as fait moins 1. Oui, tout à fait. Ouais. 0 touche. Et les 3 tirs, c'est 3 tirs C'est 3 tirs, tout à fait. Ouais. De force. Une. Je sais plus la force. Pas. Force 8, de mémoire. Ouais, ça marche. Donc ça c'est fait. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait le paladin là ? Mais ça arrive, c'est la vie hein. Mais c'est la vie. Lui, il va tout mettre dans eux. Là on est sur le petit Elverine qui est derrière là-bas. Ouais, la mitrailleuse. On le voit pas, il est. Quoi, lui il est juste derrière le paladin. Il avait reroldé. Ouais. C'est celui qui est ici. Il est là. Et ça tire dans les infiltrateurs du centre, hein. On est d'accord ? Ouais, ici. Mais pas de reroll. Et les 4 des 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 plus reroll des 1. C'est propre. Hop, et ensuite 3 plus reroll des 1. 4 PA moins 2. Donc à 3 plus. Ouais. J'annule parce que j'ai gagné l'élix. Ça marche. Bam. Yes. Donc tirer. Il me reste ce garçon-là. Ouais. Donc je vais utiliser l'attitude gratuite qui fait. Que je claque un stratagème, tous les 6 pour blesser seront des dégâts mortels au lieu d'être des dégâts. Excuse-moi, tu claques une aptitude qui donne le stratagème gratos. Ouais, c'est le tacticien qui l'a. C'est une fois par bataille. C'est ça. Ok. Sauf si je deviens vertueux. Et là, ce sera une fois partout. Moi, pour moi, le t'as toujours été un homme vertueux. Je sais. Donc, tu devrais l'avoir tout le temps. Et on va faire lance-flamme et mitrailleuse sur eux. Donc les 6 à la blesse font des BM en plus. Et tout le reste sur tes blagues quoi. C'est coquine. Ça remplace les dégâts par des BM, il me semble. Ça remplace les dégâts par des BM, c'est des BM en plus. Ça remplace. Donc, si tes gars des 10, c'est des 6 BM. Ouh, c'est coquine. On fait ça sur le. Donc sur les blagues, tu mets fuseur, c'est ça ? Non, sur les blagues, je mets tout. Tout. Sauf la mitrailleuse et le lance-flamme. Okay. Qui sont là dedans. Okay. Voilà. Mitrailleuse. Donc là, on tire sur les petits infiltrateurs dans le couvert. Sur du 4. T'as. Une mortelle, donc une peine à 5.
Raté, ça fera un PV. Et une normale, et une normale à 2 plus. C'est bon, je perds un PV. Ça marche. Un PV sur les infirmières. Lance flamme, 4. Ça doit être sur du 3. 3. Pas de 6. PA moins 1. Donc c'est sur ta 3 plus. Non, donc plus. Le plus, oui. Ouais. Armor of content. C'est content. C'est tanké ici, ok. Donc là, il n'y avait qu'un perdu. J'ai perdu un PV avec un une PV, et voilà. Alors attends, là, y avait... je me posais la question. Ouais. J'avais juste besoin de 30 secondes de réflexion. Vas-y. Pour la transhumane éventuelle. Ouais. Parce que là, c'est de la grosse force. Donc c'est force 6, donc ça ferait moins 1, ça réduirait de moitié. Mais bon, c'est les 6 qui va changer à faire. Ouais, je vais claquer mon dernier. Ok, fait. Ça pète sa transhumane du côté de Kuro sur les Blade Guard. 1 plus. 3 plus. Non, je pense que. Ouais, je pense. Ouais, non, tu traverses ça, je pense. Pour voir, faut voir tout le film. Non, je pense pas. Ah, il faut. Attends. Faut un petit laser de... Oh, non, on l'a pas. J'ai une question justement. Parce que là, en gros, pour moi, t'as une ligne de vue qui ne passe pas par le vent. T'as une ligne de vue qui ne passe pas par le vent, tu es d'accord ? Oui, tout à fait. Mais non, mais moi, c'est pour moi question rapidement. Du coup, est-ce que t'as le. T'as pas le moins 1 du coup ? Je crois qu'il faut que toute l'unité soit pas traversée. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Je sais plus si c'est pour les véhicules ou pour les unités. Est-ce qu'on peut avoir, si on a un arbitre de la FEC avec nous, si on a. Il suffit qu'il voit un modèle. Il suffit qu'il voit un modèle. Du coup, j'ai pas compris la réponse, mais j'aurais besoin d'une clarification par rapport à ça. Il a pas le moins 1. C'est bon. On est d'accord. 3 plus. Pas de reroll. Hop, et ça va être sur du 4, puisque tout tu as claqué ta transhumaine. Et les 6 mortalisent. Les 6, on est mortel. Tu as déjà 4 mortels. 4 mortels. Et tu as... c'est du flat 2, c'est ensemble. Ouais. Putain, c'est propre. Donc, 1 vu à 4. Ouais, on s'en fout. 1 vu à 4. Ça fait 2 PV. Ouais. Est-ce que je crois que tu m'étais mis à portée du... Il me faisait la peau. Je crois que je suis à 3 pouces. C'est lui la peau? Ouais. Mais tu vois, je crois que je suis un peu trop loin. Oui. Ouais, je suis un peu trop loin. Donc le pas de no pain, ça fait 2 PV et je fais 4 BM. Donc ça fera 1 mort et 1 PV. Bon, ça va. Boum, boum, boum. Elle vous aurait. 2D3, ce sera 6. Donc, 3, 4, 5, 6. Donc à 3 plus. Yes. Et c'est là qu'il faut faire des 6. Et sur du 4. Sur du 4. Et je vais transformer 1 en 6. Comment tu fais ça? Est-ce que c'est l'aptitude? J'ai une fois par partie ou une fois par game quand je suis vertueux. Je peux transformer un dé en 6, n'importe lequel. Une fois par tour quand t'es vertueux. Oui, une fois par tour quand t'es vertueux. Ok. Donc tu en as 2. Lui, ça fait 6 plus. Ça fait des 6 mortels là du coup. Des 6 plus 2. Ah oui. Donc 2 invus. Le Kuro n'arrive pas à viser la. Ça fait 2 AT encore. Ok. Donc le premier, ce sera des 2. Il est mort, mais il est mort. Il est mort en tout puisqu'il avait déjà perdu un PV. Ça claque un dé. Le deuxième mort. Ouais, parce qu'ils ont 3 PV. Ok, ouais. Et après le déci mortel plus. Putain, ça c'est cool quand même, le déci mortel. Ça fera 4 mortels. Et Philopain à 5, puisque c'est un Black Empire, les amis. Et ça fait 2 PV. Yes. Ok. Donc t'as tué 3 Blade Guard, 2 Blade Guard. 2 Blade. Ouais. 3 Blade Guard. 3 Blade Guard, et t'en as entamé 1. Mais bon, il y a l'apothicaire qui décemment va en faire revenir, soigner et revenir, mais ok. Ça marche. Lui n'a pas tiré, je crois encore. C'est normal, il fait une action. Il fait une action, oui. Ok, tout à fait. Ça marche. On arrive à la fin de ta phase de tir. C'est bon. Phase de morale côté Black Templar, il n'y en a pas, on les corda. On va donc arriver à la phase de scoring de cette fin de tour, puisque toi, tu as des choses à scorer. D'abord, on fait scorer LOL. LOL, qu'est-ce que tu scores, mon petit? Faut que tu me dises tout ce que tu scores. Je mets 2 points de primaire. Je mets 2 points de primaire bis. Alors, 2 points de primaire bis, c'est validé par la street. Je mets 2 points d'honneur. Non, excuse-moi, c'est pas toi, ça. Alors, 2 points de primaire bis. 2 points d'honneur. 2 points d'honneur. Est-ce que je peux savoir d'où viennent ces 2 points d'honneur? J'ai gagné un point d'honneur. Comment t'as fait? J'ai plus d'objectifs qu'au tour d'avant. Ok, ça marche. C'est une des conditions sine qua non pour. Et de mémoire, je crois que. Alors, j'ai pas le CA parce que en pousse, en domination, j'ai plus d'objectifs aussi. Donc, je sais pas si je mets. Et j'ai fait qu'avancer. Donc, je pense que j'ai. On a le CA, vas-y, tu peux le faire apparaître. Allez sur IK. Descends. Imperial Knight. C'est après les Assertas. Vas-y, descends. Donne la souris, tu veux. On se projette très rapidement sur le secondaire IK pour ne pas vous dire de bêtises. Donc c'est parti, Kuro est à la manœuvre, en plus il est informaticien, autant vous dire qu'il sait faire dérouler des PDF. Black Templar, ça c'est moi. C'est juste après. Voilà. Chevalier Imperio. Alors c'est renouvelé. Ne c'est... pas céder à d'un pouce, le voilà. Premier. Donc je marque, vous contrôlez la moitié ou plus. Donc j'ai la moitié, parce que j'en ai 3. Oui. Donc ça fait 1 point, j'ai aucune ennemie, et dans ma zone ça fait 2 points, et j'ai pas reculé, ça fait 3 points. Ok, donc 3 points sur le pouce. Ouais.
Et assassinat, pour l'instant, rien du tout. De ton côté, Kuro, tu mets un point pour le centre sur le cerveau restant. Et je n'ai pas fui. T'en as pas fui, t'as pas désengagé. Pour les points d'honneur, faut contrôler plus que l'adversaire. Donc non, j'ai pas de points d'honneur avant, c'est ça? Ouais, c'est ça, faut contrôler plus d'objectifs. Je t'enlève les deux points d'honneur? Ouais, je crois, ouais. Ok. Bon, là, du coup, ça fait un total de... C'est pas... Attends, on n'a pas fini pour Kuro. Attends, deux secondes. Ouais, c'est ça. Donc, serment de l'instant, un point sur le centre, un point parce que t'as pas engagé. Et serment, deux points. Ce qui veut dire qu'à la fin de ce tour, 1, LOL est à 5 et notre ami Kuro est à 2. On peut immédiatement attaquer le tour 2 et donc déjà scorer ses primaires. Il tient 3 objectifs et pas plus que l'adversaire. Il va donc mettre 8 points de primaire. Tu peux rajouter... Et 3 points de bannière. Tu peux mettre ici... Tu peux mettre ici, tu peux donc mettre Kuro à 13 points de scoring contre 5 pour LOL, mais c'est le début du tour 2. Voilà, et tu peux mettre le début du tour 2. J'espère les amis que vous passez un bon moment avec nous, que cette partie vous sauce. C'est très intéressant. Côté tir et GD, je m'attendais à un petit peu plus de dégâts du côté des IK. Il n'y a pas eu une grosse réussite, il n'y a pas eu une grosse phase de tir. Ouais. Ça aurait pu être une plus lourde sanction, je pense, histoire de mortel sur les BT. Le CA, il y a un doute sur les points d'honneur. Je lance mes dés pour les Titanis, le chat. Du coup, je vais donner le plus de la charge. La réponse est oui. Attends, avec ça, monsieur. Ouais. Je sais pas, c'est de mon côté alors. Et de l'autre, il va essayer de. Non, je vais garder. Je pense que je vais dépenser mon CP maintenant. Il va faire qu'une Titanie, il va se booster. Quoique, je vais juste faire une mesure avant. J'avoue que si je peux le passer au dé, ça m'arrangerait, mais ça me fait chier si je loupe. 14, ça me fait arriver là. Avec les deux Drota, ça fait ici, ça fait une charge. 9. Ton PC, tu l'as récupéré. C'est greedy. LOL, t'as 4, tu passes à 5 en PC. C'est ça? Yes. Je vais essayer de donner Feel No Pain sur lui-même. Non, et il va se booster. Oui. Donc il est boosté. J'ai gagné. Au moins, je dépense pas mon CP là-dessus. Ok. Et on est parti pour la phase de mouvement. Elbrecht, il file pas une full reroll? Si, le donne à ce monsieur, comme d'habitude. Ça marche. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai soigné un mec et j'en ai fait repop un. Ok, donc ils ont 3 Blade Guard du coup dans les squads. Tu as fait, on est sur le commentaire de phase de mouvement. Hein. Tu as fait l'action de scénario ici avec les jaunes, les Imperial Fist Black Templar. En même temps, Black Templar, c'est pas un chapitre successeur des Imperial Fist. Tout à fait. Donc t'es pardonné pour tes mecs en jaune. C'est pour ça. Voilà, on te pardonne. Ok, tu te laisses commenter rapidement le reste de tes moves. Alors, je vais tenter quelque chose. Bon, j'ai pas tenté le move le plus greedy de l'univers avec une charge à 9 du chaplain ici. T'as bien fait. Mais ça aurait pu faire quelque chose. Donc là, il est pas convaincu. Bah, il tape quand même. Ah, mais ça joue pas. Hein. Et du coup, en fait, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en position mes Blade Guard pour tenter une charge ici à 8. Parce qu'en fait, avec le plus 2, je suis à 10 là, mais okay. Voilà. 8. Et le chaplain pour charger au cas où. Et du coup, il charge à 2d6 reroll plus 2. Ouais, c'est une charge à 4 ou 5. Là, c'est à 5. C'est pas lui le gros poutreur, c'est l'autre. Non, c'est l'autre le gros poutreur. Je pense que c'est une charge à 4. Si tu remesures, à mon avis, bon, t'as moins de 7 pouces. C'est pas grave. Ça marche. Je pense. Et du coup, en fait, j'ai avancé les Vindicators hein, parce qu'ils vont peut-être pouvoir enfin faire leur rôle, c'est-à-dire bloquer. Et du coup, là, en fait, lui, il va servir à tirer et affaiblir celui-là. Et l'autre, il va affaiblir le premier, mais il va bloquer l'accès de l'autre côté, tant qu'il survit. Et du coup, j'ai bougé mes centurions pour vraiment les mettre à fond de balle dans le décor. Et du coup, au prochain tour, pour pouvoir sortir... Donc, c'est normal qu'ils soient collés au mur. Hein ? C'est normal qu'ils soient collés au mur. Oui, tout à fait. Les centurions, vous ne les voyez pas, ils sont ici. Ils sont dans le décor. Il y a mon judicateur qui est juste là. Okay. Donc, non, mais c'est ok. J'ai préparé un truc si jamais tu viens, il n'y a pas de soucis. C'est angulé à 3 là, judicateur. Ouais, mais je peux des votes poche. Tu peux ? Des votes poche. Ouais, ok. Donc ouais. C'est à 6. Enfin, il ne peut pas bouger ton vadic. Oui, mais c'est juste que j'ai trop bougé. J'ai bougé tout le monde. Là, il ne bouge pas ton vadic. Il est bougé tout le monde trop vite. Pas de sens, parce que là, je vais devoir. Choisis. Pousse plutôt celui dans le mur, je pense. Ouais, je pense. C'est juste que. Voilà. Parce que sinon, je vais avoir une mine de vue gratis. C'est intéressant, on va juste spotter ça, et non pas Spotify. C'est là, faut vraiment que j'arrête, faut que je me calme là. Ça devient n'importe quoi. Est-ce qu'on peut juste mettre la mobile? On va spotter un truc, c'est intéressant, en termes de tricks de jeu. On a le judicar qui est ici, qui donne donc une aura de Fight Last. Non, il donne un Fight Last. Il donne un Fight Last, pas une aura. Il donne un Fight Last à 3 pouces, ok. On a des centurions qui sont là.
à juste titre, LOL a spoté du doigt et a dit tu t'es collé au mur, ça veut dire papa que je peux te charger en me collant au mur ici. Kuro a dit bah oui, c'est prévu. C'est prévu parce que certes, le judicaire ne donne qu'une aura à 3 pouces pour le fight last. Cependant, il a un stratagème qui est le dévout de poche, qui s'active en début de phase de combat, qui lui permet, s'il le souhaite, en fait, de l'utiliser sur le judicaire, de faire un dévout de poche pour rapprocher son aura, sa bulle, son fight last, et donc imposer un fight last sur Lika. C'est très intéressant. C'est très intéressant de préciser que c'était Kuro s'était très mal placé parce qu'il n'aurait pas pu le faire en vérité, parce qu'il avait bloqué un peu rapide. Non mais faut le dire, c'est parce que les gars, il faut le dire parce que en partie WTC qu'on jouerait au War Master, le mec il te fait ça et dévout de poche, non, tu passes pas gros, tu t'es mal placé, tu passes pas. Donc comme là on est plus fair et on est dans le beau jeu, LOL a bien spoté du doigt qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'y avait pas la place de passer. En fait, son gars était bloqué par les centurions. Du coup, on a permis ce petit move de placement qui permettra au judicaire de faire son dévout de poche et donc de passer ici entre les centurions. Un correctif, quoi. Enfin, c'était un petit correctif qui avait besoin d'être fait parce que ça aurait été frustrant de se dire « Ouais, je peux le faire, en fait, je me suis positionné un peu vite. » Et voilà. Et ça joue à l'intention. J'ai juste joué trop vite. On peut passer en zénitude ? Ah, ok, super. Du coup, au niveau de la phase de mouvement, tout est fini. Ils n'ont pas bougé parce qu'ils n'ont pas besoin de bouger. Ils sont bien. Ils vont là, out of the moment. J'ai mis le deuxième au cas où. Oh, c'est ça. Et du coup, on va passer à la phase de psy. Terminé. Voilà, c'est comme LOL. Okay. On a beaucoup de psycheurs. C'est les Black Templars. Ah voilà. Les psychas sont devenus psycheurs en RK. Mais les Black Templars, ça va être plus compliqué. C'est écrit dès la première ligne du codex. Hein. Vous ne pouvez pas avoir de choix librarien dans votre. Phase de pruneau. Phase de pruneau. Et du coup, je vais commencer par ce monsieur. Le vindicator. Qui va tout mettre dans ce monsieur. Ok, il va faire l'exercice. Ben, on va faire la crate plus un but. Hein. Alors c'est parti, ça fera 2 tirs. Allez, A3+, une blessure, PM 3. D6. 6. 3, 4, 5, 6. Ok. Finopéné 6, 3 PV. Très bien finopéné. Ouais. 3 PV, donc sur cet Elverine là, c'est celui-ci. Hein. C'est un Armiger Warblef, c'est pas un Elverine, c'est pas là. Ouais. Je t'excuse. Merci. Il passe à 10. Je te remercie de ta compassion à mon égard. Ça marche. Il y a Federourou qui nous dit Bjorn, yes, merci du retour. Mais en plus, en termes de secondaire, d'analyse de jeu, etc., j'ai vu les listes qui ont fait les tops notamment. Oui, ça parle entre vous, les gars. Du premier, fais-toi saisir. 6 tirs. Ouche. Qui c'est qui tire le deuxième Vanik? Tu tires dans celui qui est devant lui? Ouais. Ok. Donc vous les voyez, ils sont là, le vindicateur qui est là, il envoie 6 tirs. Tire moins bien ou pas? Hein? Tire moins bien ou pas? Non, il a perdu que 5 PV. Hein. Bah, il tire moins bien. De base. C'est dans son profil. C'est ça. Ça 3, fait une. 3 plus sur 4D, c'est. Ouais, sur 4D, c'est 4 touches, c'est tout à fait stable. 5 plus 1 but. Non. Ça fait un D6. Et ça fera 4 parce que t'as moins 4, un dégât. Yes, donc celui-ci a moins un dégât puisqu'il bénéficie de. L'aptitude de Lige. L'aptitude de Lige. Oh! Eh! Oh! Eh! 4 x 4, 16. C'est Yatsé, non? Donc il prend 4 PV, il passe à 9. Ah, je croyais que c'était les sauvegardes d'un vu, les. Non, ils ont poussé les 9 à 5. Ah ouais. C'était les finis en pain. Yes, donc 4 PV sur. Je vais faire les tirs de mon chaplain dans l'armiger qui a déjà perdu, il me semble. Et il y a 4 PV, ouais. C'est celui qui est devant là? Ouais, c'est ça. Ah oui, le compteur PV, le petit truc rouge. Je suis dans le truc, donc c'est bien, il me semble. Je sais pas. Et rien, une, à moins 2. Si, à partir du moment où t'es dans le vent, tu l'as pas, on est d'accord. Ouais, ouais. Non. Ça fait Finopain. C'est un PV? Oui. Finopain à 5? Non. À 6, pardon, pas 6. 3 PV pour papa qui est ici, qui a en plus un ballistic skill. Donc ici, là, j'en ai 4 qui voient. Allez, ça sort du pistolet, un roll kit. Oui, il y a le pistolet vol kit. Après, c'est un vol kit. J'ai mis juste une réserve sur la ligne de vue, par contre. Sur lequel? Je sais, par exemple. Non, lui, je le comptais pas. Okay. J'ai que ces 4 là. Ouais. Je vois le bout de la lance pour moi. Oui. Mais après. Non, mais c'est vrai que tu prends n'importe quelle fin de la figurine. Oui, t'as un bout de lance, effectivement, pour les 4. Oui. Alors, les pistolets vol kit. Une touche. Je me permets d'abriter le truc, d'arbitrer le truc. Rien du tout. Il y a 3 tirs de pistolet. Et je le fais systématiquement en défaveur de l'autre. Ça touche. C'est pas vrai, c'est ça te fait 2 AP à moins 1. 2 AP à moins 1, 4 plus.
2 fils en PV à 6, 2 PV. Il lui reste un PV. Ouais. Je peux te poser une question? Oui. Pourquoi tu veux la tirer dessus? Pour justement, vu que je sais que tu fais moins 1 dégâts, je voulais le blesser à un PV. Parce que tu le tuais, t'étais comme un con quand même. Oui, il ment. Okay. Ah non, tout à fait. Le mec il me dit je voulais le baisser à 1 PV, genre, je n'y crois pas une seule seconde, mon gars. J'ai 35 ans de vie, je ne peux pas croire à ça une seule seconde. Je voulais le baisser à 1 PV. Tu le fumais, t'étais pas bien. Hein. Ah oui, ouais, ok. Ah, mais c'est juste qu'on soit clair. Ok, ça marche. 2 PV avec les pistolets, ouais, 2 PV avec les pistolets. Hein. En fait, en stade, quand tu regardes, je suis pas censé faire 3 PV. Hein. Je suis pas censé faire ton PV. Là, le spot, un truc intéressant, c'est que s'il pétait lui, il s'était déboîté le fait d'avoir avancé ça pour la charge. Mais bon, du coup, le karma joue en ta faveur. Ouais. Il faut prendre des risques. Il faut tenter. Il faut créer l'opportunité. Ouais, il faut créer le jeu aussi. Vas-y. Ouais, j'ai le brush qui va. Puis, il faut nous donner de quoi saler aussi. J'ai 10 tirs dans le. Vas-y. Dans le gros lumineux. Donc là, on a les petits infiltrateurs qui vont tirer dans le gros. Ça fait 10 tirs. On est de l'ordre de l'anecdotique. Franchement, t'enlèves un PV, Kuro, je te respecte de ouf. Déjà, je te respecte de base, mais là, je te respecte de ouf, tu vois. Ah bah attention, prépare-toi. 2 PV avec des pistolets, on nous dit. Oui, il a enlevé 2 PV avec les pistolets, ouais. Hashtag habile pour Kuro, on nous dit dans le chat. J'ai fait Finopen ou j'ai fait Finopen? Oui, t'as fait Finopen. Tout à fait. Ok, ça touche. Ça blesse à 6. Une. PA-1. C'est dégâts 1, hein. Donc 2+, enfin 3+, repasse à 2+, parce que j'ai le trait qui fait que les dégâts 1, j'ai plus un save, ouais. Qui revient à 3, parce que t'es PA-1. D'accord. Et bah 1, Finopen 6. Non. Je respecte mon gars, le mec il enlève des PV aux Zika avec des petits infiltrateurs comme ça. Les mecs ils tirent, ils sont dans la, comme ça, là, comme des Mexicains dans les rues de Los Angeles. J'ai lui qui a Advance donc il pourra pas tirer. J'ai Elbrecht qui va faire 2 tirs dans le même. Merci. Je sais jamais, à 2 plus. Hein. Ça touche et c'est à 5 parce qu'il est force 5 son truc. Ouais. Non, rien du tout. Ça marche. Déclaration des charges. Ah, on passe en phase de jeu char. Et ça va se passer par là, d'après les analyses statistiques de Best Cospering. Alors, du coup, j'ai mes Blade Guard qui vont charger ton millier, bien évidemment. C'est une charge à 8 qui passe à 8. Enfin, la 10 qui passe à 8. Yes, charge à 8. Joli. Le mec s'envole. Le mec te fait 13 à la charge, quoi. Ça fait 13, effectivement. Donc, je peux aller très très loin. Je peux dire, ouais. Tu peux t'envoler. On est sur du Blade Guard ailé, globalement. On est sur du Blade Guard. La charge à 4, tout à fait. Attends, je remesure pour être sûr. Ouais. Elle est reroll en plus, donc. Ouais, je suis un peu plus de 6. Ok, donc charge à 4 reroll. Joli. Bien se passer, ça va bien se passer. Ok, Kuro rentre dans les corps à corps. Ça va, tant de personnes pour Annika 1 PV. J'ai peu de doutes sur l'issue de cette bataille. Et où ça stat pour la charge du vindicateur? Ah oui, ça stat. Parce que là, tu tapes à force 14, on est d'accord. Au corps à corps, PA-4, dégâts D3 plus 3. Dégâts 3 flat. 3 flat. Et combien d'attaques? 4 attaques. 4, 5? Je crois que c'est 5. 4. 4? J'y vais. Je touche à 2 plus par contre. Ouais. Ok. Je te clique bien comme, ouais, Ok, donc là on a une petite charge de vindicateur. Vous vous doutez que la charge a pas vocation à faire des dégâts sur le. Ah si, tu fais peut-être des dégâts avec ta lame émulosaire. Non, c'était. Ouais, c'est. Non. Clairement, non. C'est aussi mettre du monde sur l'objectif peut-être. Alors déjà, vu qu'il compte pour 5, oui. Faudrait que je mette mes 5 gars plus le vindicateur. Mais en plus, l'objectif c'est que. Mais je suis super OP grâce au chapin. Ok, t'es rite of war. Sans. Oui. Ok. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que mon autre vindicateur va faire la même chose de l'autre côté. Le mec se chauffe. Le mec se chauffe de ouf, il t'envoie des vindicateurs dans la gueule. Incroyable. Et ben. Je pense que c'est tout pour les charges. Je pense que c'est déjà pas mal. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais taper avec les Blade Guards en premier. Ok, les Blade Guards s'activent et vont donc taper sur le gars qui reste un PV. Bon, ça devrait pas trop mal se passer pour toi, on va dire. Je suis PA-4, donc il n'y a pas de sauvegarde. Oui, c'est beau. Puis il a un PV surtout. Oui, ok. Par contre, tu le blesses à 5. Je le blesse à 5, tout à fait. Oh, on peut avoir un craquage. J'ai peu d'espoir que ça craque, mais. Donc, les Blade Guard hein, touchent à 3 et vont blesser à 5 avec des épées qui sont faites à moins 4 et qui feront 3 flats puisque t'es 2 en. 2 flats, non, c'est, je comprends tes voitures. 2 flats
Et il est perdu à moins 4 parce qu'il a pris son vœu qui le met en doctrine d'assaut toute la partie, c'est ça hein. Dès que je suis au corps à corps. Dès que tu es au corps à corps. C'est pour ça que je vais faire deux tours de tactique parce que je peux me le permettre. En doctrine, de base. En fait, tout le monde est en tactique deux tours. Et... Ok, sur du 5. Ouais. Yeah. Oui, t'as des fils, il a des fils no pain. Tu me permets ? Je me permets. Allez, ce qui explose. Alors. Ça caboule sur du 6 ? Ouais. Et bah voilà. Il s'est gavé le. Donc c'est D3 à 6 de mémoire. Je check. Histoire il me semble aussi. Histoire de pas tôt la remettre. Je pense que c'est à 6. Et c'est à 6. Non, je pense pas. Ouais, et c'est à D3. Donc, il y a quoi ? Ça, le 24, ça, tout ça. Et ton petit... Le 24 aussi ? Pas celui-ci. Ouais, le 24 est large. Okay. Commence dans cet ordre-là, ça te va ? Vas-y. 24, il va prendre 3 PV. Allez, tiens, dans ta gueule. Ils ont aussi les mortels... Ah oui, tout. Ouais. Oh, okay. 3 PV. 3 PV. Les Blade. Les Blade où ? Une. Une. Finopain, okay. C'est tanké. Chaplin, une. Finopain, 1 PV. 1 PV sur chaque tir. Mon garçon, 3. Un petit pev à la mortale sur le chaplain. Et 3 pev pour papa de derrière. Yes. Tout à fait. Ok. Petit mouvement de piline pour notre ami Kuro en ce qui concerne les Bladeou. Donc 2-6. Ouais, puisque était dans l'aura du chaplain et sa litanie qui donne plus de la charge, donne aussi plus 3 à la conso. Il va donc pouvoir engager lourdement l'objectif, poser 5 figurines dessus qui sont obsèques grâce à l'aura de. Du chaplain, et ça fait plaisir. Et donc tu vas pouvoir activer le chaplain qui lui aussi va piline et move, et forcément qui vient contacter le Elverine qui est là. C'est celui qui a moins un dégât, enfin, c'est celui qui réduit tous les dégâts. Tous les dégâts. Yes. Okay. Donc du coup, il contacte le Elverine, c'est très bien joué. LOL pourra s'activer par contre, il va pouvoir taper. Tout à fait. Voilà, tu peux faire taper tes deux Vindicators, avec quatre, nous montrer leur incroyable talent de Vindicator. Montrer ce qu'ils ont dans la pachole. Allez, le monsieur là-bas. Allez, celui qui est au fond là-haut. Une touche. Il a 4 attaques. Bah oui, il a chargé. Oh, okay. Une blessure. Et puis un moins 1. Incroyable. Et un moins 1. Non. Non. Un PEV. Donc un petit PEV sur celui que vous avez là. Vous ne le voyez pas trop. Je suis désolé. C'est ce qu'on appelle la parallaxe de la caméra qui nous met en difficulté. Là. Le Vindicator enlève un PEV. Le Vindicator là-bas. Une touche. Une blessure. Est-ce qu'il va nous refaire un PEV ? Finopain à 6. Oui, il nous refait un petit père. Et donc ? Ok, bah, c'est d'accord. Ok, je découvre une nouvelle facette du wargame qui consiste à péter des IK avec des Vindicators en claque. Allez, du coup, tu commences sur le Vindic ? Ouais. Allez, ici ça s'active du côté de LOL pour taper sur plus. Le Vindic. Tout passe. Ok, il a fait une full touche full bless sur les. TP à moins 4 de base ou TP à moins 3 ? Je crois que je suis PA moins 4. Il me semble que t'es PA moins 4. Et je suis PA moins 3 avant switch. Oui, ça PA moins 4. Ouais, donc à 5 plus, parce que je fais du nerf. Bah ça fait minimum 9 PV, il est mort. Ça marche. Est-ce qu'il explose ? Non. Ok. LOL est sur l'objectif, il compte pour 5, il est obsèque. Les Blade Guards sur l'objectif, ils sont 5, ils comptent pour... ils sont obsèques. Donc en fait, les deux se nullent l'objectif. 2 plus. Et 3 plus. Il nous refait une full touche, full bless. Joli. Ça fait 6 PV minimum. Ouais. Non, ça fait 6 PV. Ouais. Il meurt tout pile. Ok. Il n'explose pas. Ok. LOL s'est fait un petit plaisir et a rappelé 2-3 fondamentaux du corps à corps au Vindicator. Histoire de un peu de reposer les bases du corps à corps dans le wargame, s'il vous plaît. Prends un point d'honneur parce que j'ai tué 2 unités au corps à corps. Ouais. Allez, bim, le mec prend des points d'honneur, c'est carré. Est-ce qu'on peut riposter contre le chaplain ? Oui. Il y a le Elverine qui est là qui peut riposter sur le chaplain qui s'est contacté. Sans PA. Il va 3. Il a 2 PV. 2 PV. Il a donc perdu 3 PV au total. Ça marche. Ça sonne la fin de mon tour. Ça sonne la fin de ton tour. On passe pas de phase de morale puisque ça s'est bien passé. On passe en phase de scoring s'il te plaît de ton tour. Dis-moi tout. Donc abattez-le, je vais scorer 2 points. Et je vais mettre un point de serment de l'instant qui est sûr. Alors abattez-le, on met 2 points puisque t'as tué un petit TK. Serment de l'instant, je vais mettre 1 point. Serment de l'instant, tu mets un point sûr parce que t'as pété un véhicule. Oui. On te le met déjà. Ok. Ça te gêne si je te le tourne pour éviter que je vise son doigt. Oui. Primaire bis. Primaire bis, 3. 2. 2 parce que. Oui, parce que t'as pas celui des kills. Je conteste. Ouais.
Ok, ce qui nous amène à... Il faut rajouter en point sur le scoring de Kuro. On peut lui rajouter un point de serment, deux points d'abattez-le et deux points. On peut lui rajouter 5 points. 5 points supplémentaires sur le scoring de Kuro. Et on attaque le tour 2 de LOL. LOL au primaire 8. 0. C'est vrai? Mais il me l'a annulé en fait. Parce que c'est 2, c'est un domination. Oui. Oui, oui. Voilà, j'avais 1, 2, 3. Celui-là, il me le conteste. Oh, ok, bien joué. J'en ai qu'un, donc 0. Pas de points de primaire sur le primaire principal. Et après, les autres scores se font in-game. Chacun d'entre vous, les gars, gagne un point de com. LOL, TA. J'en gagne 2. Je passe à 6. Yes. Et moi, je passe à 2. Beaucoup de points de com. C'est propre. Donc LOL est à 6 points de com. Kuro est à 2 points de com. Et on attaque la phase de co de notre ami LOL. Est-ce que vous êtes saucés sur le chat, les amis? Ça nous follow à don. Ça fait grave plaisir. Donc on va faire Ballistic Skill. Qu'est-ce que t'as pensé de ton tour, mon petit Kuro? Vu que j'ai pas sorti énormément de ressources, ça va encore. Bon, un peu déçu des vindiques, mais bon, c'est normal. C'est ce qui devait se passer. Mais j'aurais bien tanké une là. Et en gros, là, je prenais l'objo et je le bloquais. C'était chiant parce que si vous laissez désengager, bah, il perdait un point de d'honneur. Ouais. Mais là-bas, c'était logique. Si ça tankait, ça tankait bien. Parce que de toute façon, il m'aurait retiré au prochain tour. Donc. Ou au CAC, s'ils voulaient faire son point, c'était facile, ils avaient juste à pas tirer dessus et aller au CAC. Donc, okay. Dans tous les cas, ils étaient morts à son tour. Là. Le but, c'était de voir si j'arrivais à tanker, c'était cool, sinon, bah tant pis. Et puis bah après, mes centurions sont placés, lui il est placé, il faut juste que je fasse tanker mon chaperon. T'es placé quoi? Placé quoi. Ok. Un ballistic skill. Bob, si tu veux apparaître à l'écran sur cette petite cam de qualité et puis nous commenter le chat et prendre la main un petit peu, n'hésite pas. Bah écoute, il n'y a pas de souci, il faut juste que je me fasse encore à la technique puisque j'ai pris la place de Franck à la régie. Donc, mais ça va se faire, en tout cas, je suis là, je suis complètement chaud, je suis complètement dans cette game. C'est très très cool, j'essaie de vous faire apparaître en plus des gestes de tour-up qui vous montrent tout seul, j'essaie de vous montrer à l'écran où ça se passe. Ouais, avec les petites flèches. Avec les petites flèches, les petits ronds. Est-ce que ça vous plaît, cette histoire de petites flèches, petits ronds? Dites-nous-le dans le chat, les gars. Ouais. Bonjour à tous, bonjour Bijorn, bonjour Profix. Et on a Dédé Brun qui nous a claqué un abonnement de niveau 1. Merci mon pote, ça fait grave plaisir. J'ai utilisé un point de coup pour désengager, tirer, charger là-bas. Ok, ça te fait perdre un truc d'honneur, c'est ça? Deux. C'est un ou deux, je sais. Non, ça me fait. Oui, ça me fait perdre un point d'honneur. Ok. À la fin de la game, si je ne l'ai pas regagné. Ah, c'est ok, d'accord. Ça marche. Tabletop Nuts qui est avec nous. Les potos sont là, on les salue. Ils nous disent c'est ouf ces petites flèches. 7 pelles. J'en ai 7 au total. Peut-être rester au cac avec toi en fait. On est bien au cac, chaud comme ça. T'as pas de fight first ou fight last hein? Non, non. Il est le monsieur fight first. Yes, il y a Sly Marbo qui est avec nous. Bonjour à tous. Salut Sly, bienvenue sur le live. Reroll hit. Lui il l'a permanent. Les deux je les garde. Lui il peut rien avoir et lui il va avoir Ballistic Skill 1. Non, ce qu'on va faire c'est on va faire ça. On va faire Reroll Hit sur lui. Et on va faire plusieurs Ballistic Skill et je vais le mettre avec le Princeps sur un Questoris, ça va être lui. Ok. Et lui on lui met rien. Enfin si on lui met, mais ça n'a aucune importance. On nous dit top la game les gars. Les gens passent un bon moment en compagnie de Kuro et de LOL, ça fait plaisir. On a Boca qui nous dit il est beau gosse ce Bob. Et encore vous avez pas vu son t-shirt complètement. Les gars, vous avez pas vu le swag total. On ira à la phase de tir, donc on va commencer par le garçon qui est là, qui va tout mettre dans tes... Non, je fais qu'un moins de vue, c'est lui. Ouais. Il va tirer dans tes blade bois. Tout à fait. Okay. La mitrailleuse, reroll D1, on s'en fout. 4+. Reroll D1, oui, s'il te plaît, sans PA. Sans PA, donc un 2+. On est bon. Ça marche, 4D, 3 tirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour te répondre, monsieur Telki, c'est Tourop qui a gagné avec Sénécon. Reroll D1, bon, ça c'est mauvais. Hop, et sur du 3. Ouais. Reroll D1. Et à moins 2. Donc 1 vu, on s'en fout. 1 vu à 4. J'en perds 2. 3. 3, oui. 3 morts. Alors, je vais laisser. De toute façon, ça marche. Celui qui est au corps à corps, qui n'a pas vraiment le choix. Ouais, je vais mettre une petite physio par contre sur lui. Si tu veux. Donc tu mets physio sur le... Le chaplain qui réduit tous les dégâts. Ouais, voilà. Physio sur le chaplain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 6,
c'est une arme lourde. Il me semble. Oui. Donc à 4 plus et revers. Je vais éviter un trou encore. Merci. Et à 4 plus et revers. 3, 4 s'il te plaît. Donc 4 sauvegardes à moins 1, donc à 4, ça change rien. Enfin, moins 2 PV. Donc ça fait 2 PV. 2 PV. S'il te plaît. Donc il y a. Il en reste 2. Ça marche, très bien. On va faire El Gros Garçon. Non, on va Petit faire papa, d'abord. Un petit papa. Oui. Le fuseur, excuse-moi, j'ai oublié. Ah oui, 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 tout à fait. Le fuseur dans les blazons. Ouais. Donc la totale, lance thermale, les deux passes. Ouais. Et les deux. Deux. Tiens. Tu as vu. Et t'as ton petit fuseur. Ouais. Tu le fais comme ça. Oh, oui. Il n'y a pas de. Non, t'as pas la. Donc à 4 plus. C'est oui. Bon. Ça marche. Joli. Et donc. Donc lui a tiré, on va faire 10. Non, il n'a pas reculé. Il a dit qu'il reculait pas. Si, si, j'ai reculé. Si, si. Ah je bon perdrais un point, mais en fait c'était trop. Ah oui, là-bas. Oui, ok. Si, si, je perdrais un point sur le. C'était pas un pouce, mais il fallait. La question de Time Rider 90. On va faire lui. Tu fais lequel, lol? Oui. Il va faire le gros. Hein. Le gros, donc gros papa. Donc il va faire mitrailleuse. Les deux mitrailleuses sur eux. Ouais. Et tout le reste sur la bâche. Ça marche. Donc, 4, 5, 6, 7, 8. Sur du 4. T'en as 2, s'il te plaît. 2 à 2 plus. Ah, je t'enlève le gantelet hélix. Ça marche. Tout le reste. Les 3 tirs de missile. Le gantelet hélix qui permet d'ignorer à chaque phase le premier damage subi. Donc PA-2, c'est ça. Hein. Mais bon, c'est un vieux à 4, on s'en fout. Ça tente pas, ça fait un. C'est des 6. Ah reste. Oui, si, si, mais oui, c'est sur un 3 plus. Non, 2 PV. C'est ça, c'est des 6. Ouais. Je croyais que c'était et flat 3. 2 des 3. Non, c'est obligé qu'il y ait 3. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est par phase ou par tour le gantelet hélix? Tour. Par tour. Celui 2. Un vu à 4. Un mort, celui qui devait mourir meurt. Voilà. Il en reste un. Il en reste un. Ça marche. C'est lui qui a fait l'action. Tac, tac, tac. Il en reste ces deux-là. Il en reste papa et petit papa. Petit papa. Et c'est les rerolls. Hop. En fait, il n'y a qu'un sac à Bell 6 skins, donc j'en ai 3 maintenant, ce qui est normal. Puisque l'autre tout à l'heure, il avait. Il l'avait déjà. Et, celui qui était là. Il avait plus un Bell 6 skins. On va faire lui. Non, on va faire lui. Il en reste un. Oui. Il en reste un. On est sur la phase de tir de jeu. Ouais. Il en reste. Donc pour l'instant, il y a lui qui a tiré, lui qui a tiré. Lui qui a tiré, et donc du coup j'ai perdu 4 Blackguard et 2 PV. J'ai utilisé 3 points de cours, de telle manière à ce que oula. Ses armes, les 6 fassent des mortels. Des mortels. Il va tirer, il va faire Frouch sur lui, mitrailleuse sur lui, et tout le reste sur eux. Sur eux, ok. Ça mitrailleuse. Sur les Imperial Fist. Reroll des 1. Non, c'est non, sur le blade guard. Sur du 4, les 6, c'est des mortels. 1, s'il te plaît, reroll des 1. 2, s'il te plaît. Sans PA, donc à 2 plus. C'est bon. Lance-flamme. Un tir. Qui blesse. Ouais, ça marche. PA moins 1, on s'en fout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plus des 6, plus 1, décidément. 3 plus reroll des 1. Oui. Et 3 plus les 6, c'est 2 mortels, t'as déjà 4 mortels. Et tout ça en save à faire à moins 3, 2. Sur les appareils fixes. Hein. Ouais. À moins 2, 2, moins 1 parce que je suis à couvert. Donc à 4 c'est plus. À faire, ouais. J'en perds 1 et j'ai 4 BM. C'est ça. Oups. Ça fait 2 morts supplémentaires, ça fait 3 morts. 3 morts, le fuseur 2 des 3.
1, 2, 3, 4. Merci. Clairement, on a gros papa qui fait le ménage hein, avec, avec le strat classique. Et sur du 2. Qui permet d'aller d'envoyer de la mortale. Non. Révol des 1. Non. Du 2. Et à donc, moins 4. 4, ça passe à moins 3, moins 2, donc à 5. Dans la 2, excuse-moi. À 2. Ouais. Donc la première c'est bon, la deuxième c'est bon. Et les trois tirs de lance de missile. Storm. Hop, et sur du 2. C'est pour suite, ouais. Sur du 2, révolte 1, le 6. Non, 1, PA-2. Donc PA-1 et 0 à 3. C'est bon. Ça marche. Ok. Il me reste lui à tirer. J'ai une toute petite question, LOL. Ouais. La reroll des As, ça l'a touché à la blesse sur le gros. Ça c'est, lui, c'est lui, en fait, peut. Comme il a le princept, il a la particularité avec le princept de pouvoir mettre son lit sur un Questoris. Ok, ça marche. Voilà. Et on va faire le dernier Elverine qui va tirer tout dans ceux du milieu. C'est parti. Oui. Ça va me faire chier le Bladeborn. Parce qu'après, j'ai charge à combien avec lui ? Charge à 5 ? Ouais. C'est énervé lui, ce que je fais là, je vais être greedy. Et il en reste combien au milieu? Ils sont 4. Ils sont 5. Vous n'avez pas tué un? Non. Avec deux fois Gantlet Elix et un peu. Ah oui, c'est ça. La puissance de Gantlet Elix. Ouais. Ouais, après ils vont jamais mourir. Pour 5 points. Ah non, je crois que c'est 10. 10 points. C'est... Parce qu'il vaut pas mieux que je finisse ça, au moins c'est fait. Avec, il en reste 2 PL à lui. Il en reste 2 PL à lui. J'hésite à sortir un Landrier en plus aujourd'hui. Bienvenue à Thomasson. Oui, tout à fait. Qui nous follow, merci à lui. Yes, merci Thomasson. Allez, on va être greedy, on va faire 2 sur lui et 2 sur lui. Ok. Ça marche. Ça marche. Les 2 sur le Blackguard. 1, 2, 3. Là, c'est papa qui est ici. Hein. Ouais. Non, ou c'est le petit. Moi, c'est bon, hein. T'as pas de moins 1. 3 plus, petit reroll des 1. C'est ça. Et 3 plus, reroll des 1. Je vais te 2 à moins. Donc 2 1 à 4. Ok, on va les régler. Et les deux dans les ceux du milieu. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 3 plus reroll des 1. Et 3 plus reroll des 1. 4, s'il te plaît, clairement 2. Donc, moins 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3. C'est Nora, c'est rien du tout. Bulle, toi, ta reroll des As, ça va toucher la blesse. Non, en fait, il donne à une unité. À deux unités par contre. Ah, c'est deux unités, ouais. C'est pour ça. Et à chaque fois, il y en a un qui. Ouais, et puisqu'il y en a un, à chaque fois, il le cumule. Voilà. Okay. Ça marche. Charge. On va faire charge du Warglaive sur ton garçon, charge du gros sur, le garçon sur ton aussi. Garçon, et charge du milieu sur les garçons le du milieu. Le gros ou le petit au milieu? Le gros. Le gros. Donc charge à 9. Celle-ci? Ouais. C'est une charge à 9? Charge à 9 ici? Non, on s'en fiche. Non, ça ne passe pas. Ici, on avait dit c'est une charge, charge à 5. Charge à 5. C'est ça? Charge du petit. Ouais. Oui, tout à fait. Charge du petit sur papa. Ça passe. Je te le mets où? Attends, parce que... Attends, je vais te le mettre, tu vas voir où je vais te le mettre. Elle était cadeau celle-là. Attends, papa, tu vas voir où je vais te le mettre. Parce que là, en étant à moins d'un pas, je pense qu'il faut. C'est 4 plus 1, c'est 5. C'est une charge à 5 pour lui, je pense. Charge à 5 pour le gros. Ah. Et eh ben non, 4, il veut pas. Et eh ben il n'y aura que le petit. Donc le petit rentre dans le corps à corps ici. Voilà. Ça marche. Yes. Donc on active lui, je fais bien évidemment le sweep puisque tu réduis tout à 1. Et je fais mon dernier CP pour la physio. Yes. 5. Donc là, le chaplain à qui il reste 2 PV est au corps à corps avec 2 IK. 2 plus. C'est parti. Hop. Combien d'as tu viens de faire? 3. 3 as. Et 3, oui. Et 4 plus. Je crois. Attends, excuse-moi, je fiche 2 secondes, mais je crois que tu as fait 4 as. Ah bon? Ouais, vous avez le check vite fait si quelqu'un a pu voir. Il me semble qu'il y a 4 as. Pour moi, je disais avertir, j'en avais 4. Hein. Ouais, jamais j'ai lu. Bon, on en a 3. Ouais. 4 as, tu vois, on valide 4 as. Très bien. Ouais. Bah, c'est 3 as. Et bah, un vu, il perd pas de PV. Joli, à toi de taper. C'est lequel qui a moins de PV là? Ah, j'ai eu l'œil. Ça a été très vite. Et l'autre, 10. Je vais taper tout dans celui qui tape au corps à corps. Ça marche. Donc, ça fait 5 attaques. Toi, t'es comme ça, tu fais 4 as sur 8 quoi. À 2. Et à 4. Yes, le chaplain qui riposte. Une AP à moins 2. Sur du 5, non. Combien de PV? C'est 2, mais tu as du 2. Non, lui, il n'est pas à l'ige. Ça fait 2 PV. 2 PV. Ça fait 2. Donc, je ne sais pas combien il est. Il était à 10, donc il passe à 8. Il passe à 8. Passe à 8. Ok, donc cette RK là passe à 8. Les 4 attaques de l'autre. Et donc, l'autre va taper. 2 plus. T'as la R1. Et 4 plus. Reroll D1.
Là, il n'y a pas de PA, c'est ça? Pas de PA. Ok, sur 3 plus. Je perds un PV. Ça marche. Il survit à un PV, le bougre. Il reste à un PV. Il est content d'être heureux, hein. Il est content d'être là. Je me mets de telle manière à ce que je puisse pas sortir. Oh, ouais, de toute façon, je le savais, hein, c'est pour ça que j'ai... Et ça marche. C'est lequel qui a un fight first de tes chapins? C'est lui. C'est lui. Okay. Qui a du boulot à faire. Ok. Lol, est-ce que tu valides la fin de ton tour? Mm-hmm. Ouais. Phase de morale, il n'y en a pas puisque tu as complètement tabassé les 5 blade guards qui étaient là-bas. Non, il est tout seul. Donc ils ont perdu 4 Ouais, il a commandement de 8 sur un 6. C'est bon. Mm-hmm. Ok, ça tient moral. On va valider la phase de scoring. On commence par LOL, dis-moi tout. Première vis. 2 points. 2 points de première vis. L'honneur. L'honneur. Tu m'as pété. Non, mais au tour d'avant, au CAC. Je sais pas si c'est. Comment c'est formulé? Ah non, je l'ai. Est-ce que je le marque? Je vais juste regarder comment je le marque parce que j'ai gagné. Je te l'avais dit, j'ai lui qui survivrait. Hein. Bon, au prochain tour, il meurt. On se le dit. Et sinon, je marque un point. 2 points. Je marque 2 points pour le pouce. Je marque pas 3 parce que j'ai reculé. Ok. Et je te check juste. Hop. Et moi, en contrepartie. Attends, on finit juste avec LOL. À la fin de chaque round, donc je gagne. Je gagne un point, donc je gagne. Deux points. Sur l'honneur, ouais. Si j'ai gagné un point d'honneur. Quand tu gagnes un point d'honneur, tu mets 2 points. Enfin, si je suis plus haut dans le point d'honneur que le tour précédent. Ok, voilà. Ce qui était le cas. Et ton point d'honneur, tu l'as gagné parce que tu as. Tu mets 2 unités au 4. Ok, super, merci. On passe sur Kuro. Kuro, abattez-le, t'en as pas fait plus. Non. Serment de l'instant, on avait déjà validé le fait que tu pètes un véhicule. Mais j'en mets 2. Tu en mets 2 parce que tu es dans le centre. Et parce que tu n'as pas désengagé. Ouf, oui. Donc ici, on est 2 points supplémentaires sur le serment. Et les bannières, c'est pas maintenant. Donc, à LOL, je rajoute combien? Vas-y, Alex. LOL, tu peux lui rajouter 2 et 2, tu peux lui rajouter 6 points. Okay. Et à Kuro, on lui rajoute 2 points. Ok. Alors, à Kuro, dans la foulée, on va faire son scoring de oui. primaire du T3. Kuro, combien de points T3 pour ton début du tour? Et tu peux rajouter 8 points à Kuro, plus 3 points de bannière. 3 points de bannière. Donc, tu peux rajouter 11 points à Kuro. Pourquoi t'as 8? Bah j'ai 3 autres joueurs. Mais c'est la domination. Et ben oui. Ah oui, c'est ça, c'est 8 points. Oui, c'est 8. Non, mais c'était... Et les 3 points de manière, c'est bon? Et les 3 points de manière. C'est bon, tout est noté. Pas plus, c'est ça. Ok, okay, je te laisse faire ta phase de co, Kuro. Full reroll sur le chaplain avec la brèche, bien évidemment. C'est, il est là pour ça, il sert qu'à ça, limite. C'est la tienne, physique. Oui, c'est à moi, tout à fait. Ensuite. C'est la tienne? LOL regagne 2 CP, j'en regagne 1. Ah, j'en regagne qu'un. Ouais. T'en gagnes qu'un. Ta phase quand je gagne qu'un, oui. Donc il gagne 1 CP, bon, j'en gagne 1. Fais gaffe, hein, j'ai des mycoses. Et. Les mycoses, c'est au pire. Mon chaplain à moto là-bas, il va se donner la full reroll des touches. Parce que là, le plus de la charge, de toute façon, il pourra plus le donner. Et puis s'il survit, c'est cool. Voilà. Et donc il me reste le dernier chaplain qui est ici et qui va devoir aller affronter du gros papa. C'est pas lui qui s'est donné la full reroll? Non, c'est lui là-bas. Ah oui, c'est ça. C'est, en fait, Elbrecht donne la full reroll à lui, ah oui, et lui ça, donne la full reroll. Oui. En bulle. Yes. Comme ça, ça m'évite de lancer 1000 litanies sur le même. Ouais, je garde un CP, je le booste, mais j'ai pas le Feel No Pain à 5. Je vais faire des mesures avant de faire quoi que ce soit. Vas-y, mesure, puis, mesure. Mesure. Donc, je bouge de 5. J'arrive là. Est-ce que le chat est saucé par cette partie, les gars? Combien sommes-nous? Combien sommes-nous? C'est vrai, je me posais la question tout à l'heure. On est plus de 200, je crois. Nous sommes actuellement 252. Yeah. Ouais, nouveau record. Donc ça fait que monter. Non, hein. En fait, c'est que les gens record, se réveillent. Les gens se réveillent petit à petit. Il est 11h53. C'est l'heure de l'apéro du wargame. D'ailleurs, il y en a un qui est toujours pas réveillé. C'est très papier, mais. Ouais, je vois pas. Manolo. Manolo n'est pas réveillé, les gars. Une légende sommeil. À la base, on devait jouer ce matin. Heureusement qu'on l'a switch. Hein, parce que je vais claquer mon CP. Ça aurait été une larve. Je claque mon CP pour qu'il passe sa litanie auto. Vu qu'il est maître de la santé, ça coûte 5 CP. C'est laquelle litanie auto? Et il va se booster en attaque. Ça veut dire qu'il va gagner plus en force, les 6 explosent 2 fois. Il est cochon, quoi. Oui, il est en mode. Il est énervé. Il est pas là pour. Il vient. Je pense qu'il vient. Il est pas là pour enfiler des gars. Il passe en Super Saiyan, quoi. Super Saiyan niveau 4. C'est ça. Son Goku était chaud. Lui, par contre, il a pas de. Non. Il a des dégâts. Non. Il a 7 PV. Il a 7 PV. Il est tout neuf. Et du coup, on va pouvoir passer à la phase de mouvement. Yes. Alors, à votre grande surprise, il va pas se désengager parce que j'ai pas le droit. C'est le contre-coup du vœu, j'ai pas le droit de me désengager d'un carré.
Surtout là, je vois pas plus bien comment t'aurais fait. Ah oui, non, mais. Après, avec mouvement 14. Il bah, faut passer. Ouais, c'est ça. Bon, je pense qu'il est temps d'arriver. Hein. Ah, voilà. Ah, enfin, le mec se réveille un peu, quoi. Tu peux mettre tour 3, s'il te plaît, Bob ? Oui. Ça en a combien, je pense ? À 9. 9, c'est ça. 9, tout à fait. C'est ce que j'ai calculé. Ah ouais, c'est une charge à 9. Ça marche. T'as pas plus 2, on est d'accord ? Je n'ai pas de plus 2. Le seul bonus qu'ils ont, c'est le Final Pain à 6 de la petite carte. Ça me va. Si t'es toujours dans l'aura, à la fin de ta phase de l'eau. Ah oui. Tout à fait. A plus, lol ! Faire une petite coulée. Hein. Du coup, lui va faire de la place et il va venir ici au cas où. Quand même, il va faire ses 6 pas, il va suivre ses copains quand même. Oui, il a bien raison. Et puis, bah, comme disait Tourop, bah, lui il va faire attendez-moi. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui suivent actuellement la game, que vous avez des codes promo pendant toute la durée du championship chez les partenaires qu'on remercie au passage, qui sont Myobi Place. Donc pour acheter vos petites figurines, si vous commencez ou même si vous êtes un joueur vétéran, allez voir, c'est toujours intéressant. Ouais, d'ailleurs je précise qu'aujourd'hui c'est la préco du nouveau Warcry. Si exact. Vous voulez grab le Warcry à moins 20%, vous pouvez le faire sur Myobi Place, les gars. Et évidemment, quand vous le faites sur Myobi Place, les potos, vous créditez Creative Wargame. Et la chaîne récupère un billet sur la manœuvre. Et ça, c'est super cool parce que ça permet à notre média de vivre et de vous proposer des événements comme celui-ci et de vous en proposer plein d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est full bonus pour tout le monde. Vous, vous avez les figurines au meilleur prix du net. Et en plus, vous nous saucez avec un petit billet. Donc c'est absolument génial. Voilà. On remercie aussi Crank Wargame pour les tapis, bien sûr, et les décors, as usual, My Scenery. Voilà. Et il y a deux codes promo hein, qui sont actifs pour la durée de l'event, qui sont des codes promo exceptionnels dans le cadre du Creative Wargame Championship 3. On vous les dégote parce qu'on est des bons gars et que derrière Crank, il y a Chris, qui est un excellent gars, et derrière My Scenery, il y a Alex, qui est un excellent gars aussi. Et donc, moins 15% sur toute la gamme My Scenery, les décors, les accessoires et tutti quanti. Et moins 10% sur tous les tapis de Crank Wargame. Donc voilà, ça fait super. J'ai envie de dire, dealer de bon prix. On est sur du joli discount. On est un petit peu le C-discount du Wargame. Le discount du Wargame. Et alors, ma chère Maryse, ce matin, quel beau produit. Hey. Hey. Donc là, on va être sur une phase de bagarre. Il y a moyen qu'il y ait pas mal de bagarres à ce tour-là, effectivement. Lui va faire l'action du scénar. Il va servir plus qu'à ça, de toute façon. Et Elbrecht, qu'est-ce que je fais ? Donc là, il peut bouger de 6. J'arrive là, et ça fait une charge hein, beaucoup trop loin. Donc Elbrecht, tu vas faire une advance. Si je bouge ici... Ça va mieux. Alors Elbrecht, il va advance. Il veut bien. Non, vraiment, Kuro, t'as vraiment du mal à ça. Ah ouais. J'ai jeté de trop haut, franchement. Il faut que tu augmentes la hauteur des. Ouais, c'est ce que je dis. À... J'avais la même hier, des dés, j'en ai mis partout hier. J'ai dit à Francky. Sur les murs, et sur. Il m'a dit écoute, va te faire voir. Je vais expliquer tout ce que je fais, va te faire voir. Fin de phase de mots. Tu nous commandes tout ça rapidement ? Alors, la chose suivante. Le chaplain sauveur est là. En gros, j'ai avancé au maximum que je pouvais avec ce chaplain. Il va essayer de dire bonjour à Monsieur Ika. Ok. Là, on va faire des bisous. Parce qu'il est quand même PA-3, donc ça lui fait une sauvegarde à 6 au corps à corps. Ok. Et c'est flat 3 à chaque fois, plus les BM et je sais pas. Ok, ok, ok. Voilà. On verra ça pendant la phase de corps à corps. Tout à fait. Là, j'ai sorti les centurions. Ah. Ça y est, ils sont là. Leur but, c'est une charge un peu greedy. C'est une charge à 7, j'ai mesuré. Voilà. À 9, plutôt. Pourquoi ? Il me semble que bah, j'ai avancé de 5 et c'est une charge à 9. Il était à 14 de moi. On a vérifié. Ouais. T'as 3 avancées de centurion, moi j'ai mesuré, t'as une charge à 7 là. Mais là j'ai avancé de 5 copines. Hein ? On avait vérifié en fait avant même qu'il bouge là. Non, regarde. Non, bah, tu ne sais pas mesurer avec Roger. Bah, de là, le dernier, le premier. Non, non, là. Mais c'est pas grave. Oui, ouais. C'est une charge à 9. Mais c'était une charge à 9. Parce que moi sur ma mesure c'était de la charge à 7. J'ai vérifié tout à l'heure. Bah là je viens de mesurer, c'était 8,5. Non, tu as très mal mesuré. C'est aussi le gros avantage de mesurer d'emblée et se mettre d'accord quoi. Voilà. Ouais. C'est beau ce que tu dis là. Du coup, là j'ai ressuscité un Blade Guard qui, lui, par contre, s'est un peu rapproché pour avoir une charge plus facile. C'est une charge à combien ? Là, je ne sais pas, j'ai pas mis là. Voilà, allez, on le sait déjà. 9 aussi.
Mais voilà, une charge plus facile. Disons que ça fait 2 charges à 9. Plus une reroll, 3 potentiels. Non, j'ai que des rerolls. J'ai full reroll de l'édition. Ah, donc là-dessus, c'est les Black Templar. Donc, si, c'est la doctrine. Enfin, alors, tu sais, le c'est l'entrée de chapitre. Avec le reroll des advents, c'est la Finopena 5. Ah oui, Finopena 5 sur la mortelle. Donc, par contre, j'ai mis à disposition eux. Au cas où, si jamais, si jamais je rate ma charge, bah, au moins je peux contenir avec le gantelet hélice. Hein. Ah ok, d'accord. Parce que je peux désengager, passer en dessus. Ouais, je sais. Oh, okay. Mais ça te fait perdre un point, etc. Non. Tu te désengages, ça te fait perdre un point de d'honneur. Voilà. Ouais, si j'en gagne pas. Hein. Il veut vraiment, il émet quand même une certaine, une certaine volonté à te déshonorer. Ah ouais, on est sur le déshonneur. À me souiller. Non, limité, on est dans l'honneur. Donc, on veut montrer qu'on a plus d'honneur que les mecs en face. Et du coup, bah, en gros, j'ai juste là mon unité d'infiltrator qui a reculé pour prendre tous les objets au cas où. Yes. Et globalement, c'est tout. Lui, il a pas désengagé, il a passé sa litanie. Là, j'ai payé un CP pour qu'il passe sa litanie auto. Yes. Il a la full reroll des touches grâce à Elbrecht. Yes. Et le but d'Elbrecht aussi, c'est de mettre un petit coup de fuseur au cas où. Il est sur l'objet Elbrecht ou pas? Non. Il a Advance. Il a Advance, mais c'est assaut. Ouais, ok. Donc il touchera à 3, mais bon, c'est tout, ils sont... ça mange pas de pain. On sait jamais. Ça fait pas de miettas. Il aurait dû payer 2 PC pour un 6 seigneur de bataille. Merci les amis. Allez les Ika, nous dit Yoda. Babel Ben nous dit tant que les joueurs ne font pas d'erreur, on est bon, on va. Exactement. On passe à la phase psy, c'est fini. On passe à la phase de tir. Tout à fait. C'est pas le X, mon ami X. Alors, bah déjà, on va faire le truc le plus important. Le chaplain va tirer au corps à corps. Vas-y. Donc dans celui qui n'a pas de bonus. Parce que vu que c'est un dégât 2, ça tire au pistolet Volter dans les corps à corps. Voilà, merci. Tout ça pour ça. Donc, Elbrecht, je vais mettre un coup de fuseur dans lui. Ah, on va le voir, ce coup de fuseur. Donc, à 3. À 3, puisque t'as Advent, ça touche. Et à 4. À 4, force 8 sur de l'angle du tout. Ça fait rien. Et ça déroule. Ensuite, je vais faire E5, qui vont mettre tous leurs tirs dans le Elverine ici. Ça marche. Yes, puisque tu as mis un pied dans le décor, qui a donc plus d'occultant. Et donc, tu vois à travers ses fenêtres. Tout à fait. Yes. Des grosses fenêtres d'ailleurs. Ouais, on voit bien. On n'est plus sur des fenêtres, mais sur de la grosse baie vitrée. Ouais, on est sur la. Voilà. Là, on est sur. On est sur de la véranda. Derrière, il y avait un patio. Ouais, il y avait une pergola. Il fut un temps où c'était pas des ruines et il y avait une pergola. Voilà. Et ça s'ambiançait, il y avait des soirées. Soirée Adeptus Mechanicus, ça se faisait très régulièrement sur ce monde. C'est ce qu'on entend. Allez, sur 5. Si on a 2. 2 PA moins 2. PA-1, excuse-moi. C'est PA-1, donc sur le 4. Une, combien de dégâts? Un seul. Un PV. Ensuite, je vais faire mes centurions. Ah, des centutus. Ouais, on va voir s'ils tuent. Donc j'en ai 3 qui sont à portée de fuseur de 4 qui sont à portée de fuseur de lui, donc il va prendre tous les fuseurs. Ça marche. Et le petit armigé, il va prendre tous les Hurricane Walter qui sont en grandissant, j'imagine. Tout à fait. Donc ça fait quand même 36. PA. PA moins 1. PA moins 1. Ok, vas-y. Bon, on va prendre beaucoup de dés. 5, 15, 20. Quand on est du centurion, là. Ah bah, on va voir ce que ça donne. 25. Et 30. Donc je touche toujours à 3 parce que le sergent est toujours vivant. Et pas de reroll. Et mais j'ai aucune reroll. Ça marche. Sur du 6. Sur le petit. Sur le petit, c'est sur du 5. Yes. Sans reroll. On est d'accord. Donc ça t'en fait 2, 3, 4. Pas ouf, le jet en plus. Non. Ça t'en fait 4. AP 1 moins 1 pour du dégâts 1. 2 PV. Et 2 PV sur le petit. Il a combien là, le petit? Il passe à 10. Yes. Il était full. Oui, ah non, il avait 13. Il avait perdu 1. Il avait perdu 1. Donc 4, ça c'est quoi? C'est les tirs de fuseur. Ok, qui partent dans le même? Non, dans le bourreau. Donc 2, 4, 6 et 2, 8. Yes, 8 tirs de fuseur qui touche à 3. À 3. Joli. Ouais, et ça blesse à 4. À 4. Moins joli. Stats, non, c'est 3. Sur 7 dés de toute façon. 4 plus 1 vu, loupé. 4 plus 1 vu, réussi. 4 plus 1 vu, réussi. Je le garde, vas-y. Décide à mage. 6. 6, 1, 2, 3, 4. 5, 6. Finopena 6 du Papa Taranis. Je prends 4 PV. Yes. Ça déroule. Il passe à 22. Les centurions ont tiré. Ils auront enlevé en tout et pour tout 2 tirs au bolter là. Et 4 PV au fuseur sur le gros.
J'ai mon chaplain Primaris Moto qui va tirer dans son. Allez, tir de bolt dans le gros. Pour l'honneur. Toujours pas Kuro. Une, il fait à moins 2. Fait à moins 2, c'est un dégât. Ouais. 2 plus, 3 plus. Elle fait à moins 2. Mais fait à moins 2. Un PV, c'est un Kofin Open à 6. Donc ça a tiré aussi. Ici, on est bon. Je vais faire mon tir de judicateur dans le premier gros IK. Judicateur, ouais, qui est juste là. Tir de judicateur, il tire au pistolet Volkit, néo Volkit, machin, avec rien du tout, non. Ok. Et après, j'ai deux tirs de pistolet sur le gros aussi. Non, ouais. Un tir sur le petit, un tir sur le gros. Là, c'est les pistolets bolter. Donc sur le petit, celui qui est tout devant là-bas, il touche, il blesse, PA-1. Ça tank. Et sur le gros, ouais, il touche. Il ne blesse pas. Ok. Fin de la phase de tir. Fin de la phase de tir, les amis. Tu as enlevé 3 PV là et 4 PV là. C'est ça. 3 et c'est tout. Et on va déclarer des charges. Allez, là je pense que c'est ton moment. Ouais, tout à fait. Il y a un moment où c'est ton moment. Je pense que c'est celui-là. Hein, si on fait le point. C'est-à-dire que là, c'est un peu game changer la réussite des charges. Tout à fait. Alors. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on peut passer sur la zénithale pour apprécier déjà cette magnifique table, ces magnifiques armées, ces magnifiques joueurs? Je vais sécure en chargeant avec eux les trois. Ah, t'es chaud. C'est une charge à combien? Tu peux nous la valider? Pas très longue normalement. Là c'est 5. Je pense que le maximum là, c'est 6. Là c'est 5. 5. Et là 5. Oh, ok. Si tu vois lui, bon. Et que lui qui voit. Tu suis dans le décor, tu me vois. Donc là, la manœuvre. Ah oui, c'est dans le décor. Ah oui, t'es dans le décor. Oui. La manœuvre, vous l'avez bien compris, c'est de tremper le. On va prendre l'Overwatch. De tanker l'Overwatch. Donc c'est Overwatch avec le Overwatch. C'est 1. On passe à 3. Yes, un PC d'Overwatch pour le Big Boss. Et qui va envoyer full salve dans les Black Templars qui chargent. C'est parti. Frouch. Une. Elle blesse. PA. Moins 1, c'est sur du 2. C'est bon? Yes, elle est tankée la Frouch. Lance-missile. Le lance-missile. Une touche. J'ai reroldé 1, c'est tout. Et 2 plus. Oui, PA, c'est bon. Ouais. Ok, PA moins 2. Ouais. 2D3 du 4. Sur du 6. 6 reroldé 1. Il y a une touche. Une touche. 2 plus. Yes. Donc PA-4, ça fait PA-3, PA-2, c'est du 5 plus. PA-2. Et j'ignore parce que j'ai gantelé. Ça marche. Oui. C'est par tour. C'est par tour. Donc tu peux plus le faire. Oui. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et 2. Ok. Donc pour l'instant, il y en a 1. Une. Okay. De 2 rerolls. 2 rerolls. Une de mieux. 2 touches. Un D1, coup de bol. 2. Yes. Donc PA moins 3. 2, moins 20, donc c'est à 4 plus. J'en perds 1. Ça marche. Et c'est le lancer LX d'ailleurs. Un roll D1. Non. T'es pas obligé d'enlever le gantelet LX. C'est bon. Ah bah si t'es obligé d'enlever le gantelet LX. Je sais pas. Non, je suis d'accord. Mis la... C'est un équipement dans l'unité. Ah ouais. C'est pas lui qui l'a porte. Ok. Ça marche. Charge à 5. Je pensais que c'était un gazier qui l'a passé. Ok, donc il a validé la charge. C'est pas comme les taux. Les taux, tu vois, les radium et le machin, à partir du moment où tu commences à tanker sur le crâne, c'est terminé sur une figurine. Voilà. Le truc, c'est ok. Non, le gantelet LX, c'est la première blessure de l'unité. Ok, ça marche. Vas-y. Ok, donc il n'y aura pas d'Overwatch côté de LoL à partir de ce moment-là. Ouais, il l'a fait, de toute façon. Il l'a fait, oui. Donc lui, il va charger. Hein. Ouais, là, c'est une quasi une charge auto. Il y a Nas. Fais pas le double. Hop. Ok, la charge à 5. Alors maintenant. Allez, on commence par les centurions. Allez, charge à 9, reroll. Ok, le 3 qui est poucrave, il a déchargé les dés. Oh là. Vraiment, tu veux pas. Je veux pas. Hein. Allez, une chance sur 3 qu'elle passe. Ça passe. Oui, joli. Ça passe. Joli. Ah, excuse-moi. Les centurions rentrent donc dans la mêlée. Et là, ça va devenir intéressant. On va voir ce qu'ils ont dans le pantal, comme dirait Nounours. On va voir ce qu'ils ont dans la sacoche. On va voir s'ils font le taf contre ce gros Ika qui est. Il a perdu 4 PV. T'as combien? T'as 22 t'as 26 PV sur le gros? Ouais, donc je suis à 22 là. Yes. Vas-y. Il y a 22 PV d'IK à enlever quand même, c'est pas une mince affaire. J'ai mon judicateur qui va charger aussi. Yes. Lui, c'est une charge à combien? Je pense à 10. Ouais, c'est fait. Bah, je suis obligé de faire le tour de ses gars là. Ouais. Je passe au milieu, je pense que c'est 10 ou 11. J'ai une charge à 10 pour moi. Ouais, 10. 10. Reroll.
Il se gave. C'est énorme. Ça, c'est un vrai joueur Black Templar, les gars. Le mec sur la reroll. Tout sur la reroll. Grave. Et j'ai pas la place pour les Blade Guard, je pense. Là, est-ce que tu te l'es pas créé, là. Ah non, tout à fait. De toute façon, je pouvais pas faire autrement avec les... Le principal, c'était les Centurions. Vraiment, ok. T'as fait charge à combien? Avec les Centurions? Ouais. 9 tout pile. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, en fait, si je veux faire passer le Judicator, j'ai pas le choix. T'as pas le choix de quoi? De... Pour l'espace, en fait. Qu'est-ce qui te pose problème, là? Non, bah au contraire, ça me pose pas de problème. Je pense qu'il pouvait essayer de jouer ça. Tu crois? Pour pouvoir placer les bêtes. Mais tant pis pour toi. Carrément, moi je suis entièrement d'accord. Tu aurais pu envoyer les deux. Bon, après, en faisant une charge dans ligne droite là, je peux envoyer là, mais ça fait une grosse charge. Hein. Bon, après, avec une pointe. Mais non, mais parce que très honnêtement, on va la jouer intelligemment. Même eux, t'as une volonté de les mettre. Pourquoi tu les as mis là-bas? C'était pour avec le pile-in, ils seront tous à un demi-pas. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, là, tu peux les. Je suis gentil quand même. Tu peux tout à fait. C'est bien. C'est ça qu'on aime aussi chez toi. C'est le fait que tu sois quelqu'un de bien, un homme bon. Parce qu'en plus, celui, t'as fait Bagdad. Ouais, ouais. Donc, tu le mets là. Tu le mets là. Ouais. Voilà, donc ça charge à 9 des Blade Guard. Ah, voilà. Peut-être pas trop gentil quand même. Bah non, mais c'était son plan, donc voilà. Non, mais c'est ma faute aussi. Il veut cover le Judicar. Le Judicar, il est cover par la terre entière. Il est au corps à corps, hein. Tu covers pas au corps à corps. Ah oui, tout à fait. Non, c'était pas le principe, c'est pas de le cover. Hein. Là, c'est de pouvoir s'il loupait sa charge, s'il avait loupé sa charge avec les Centurions au corps à corps avec mes gros Zika, à quel moment j'aurais eu des ressources pour tirer sur le Judicar? Ah oui, tout à fait. On est d'accord. Ok. On fight là sur le gros, j'imagine. Tout à fait. Comme ça, je peux dérouler en faisant ça, tranquillement. Enfin, là, après, tu vas me taper dessus, je pense. Ouais. Et après, je pourrais, si je survis, je tape. Dans le séquençage, c'est ton chaplain, et après tes Blade Guard. Donc j'ai 5 attaques de base, j'ai chargé 4 attaques de base, ça fait 6. Yes, super. Parce que j'ai plus un contre ça synergie. Donc c'est à 2+, full reroll. Le chaplain qui se tape contre un gros. Alors j'ai pâti, je vais tout reroll. Oh, t'es comme ça. Ah, je suis comme ça. Donc un 6, donc ça fait... Ça en plus. Okay. Et je te blessure du 4. Parce que j'ai force 8. Ça marche. Donc ça te fait 5 sauvegardes après à moins 3 pour dégâts. T'as pas un truc de mortel avec les 6? Et si, les 6 sont d'accord. Ça fait 2 6. Donc ça fait 2 mortels en plus. Okay. Tu peux me remercier. Merci. C'est gratuit pour moi. Tu m'as dit PA moins 3. Et ça, c'est PA combien? Ça, c'est PA moins 5. Moins 5? Ouais. Ça, c'est PA moins 5. Donc j'aurai jamais de sauvegarde dessus. Ça, c'est PA moins 4. Oui. Donc ça c'est PA moins 5. Le Judicar est PA moins 4 aussi. D'accord. Là, donc en fait j'ai claqué la... J'ai claqué 2 pour qu'il ait plus un save. Okay. Parce que c'est dégâts combien? Dégâts 3. Ouais. Ça va te permettre d'être en save à 5 du coup. Ça, tout à fait. Okay. Donc LOL passe sa save à plus 1, il a une save à 2 de base. Avec la PA moins 3 qui lui est appliquée, du coup on est sur la save à 5. Il en save 1 et donc ça lui fait 4 x 3, ça lui fait 12 feel no pain à faire. Plus les 2 BM, 14. Plus les 2 BM, 14. Les 2 BM, je suis obligé de les prendre en fait. Parce que j'ai pas de fin de paye sur les BM. Ah d'accord, je sais pas. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Joli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 PV sur le gros. Il a fait le job, le petit gars. Donc il était full lui. Il risque peut-être de se faire piétiner en retour quand même. Je sais pas comment ça tape, cette petite bête au corps à corps. Mais non, il tape moins bien maintenant, les gars. Ah ouais? Il va toucher. Et je crois que ça a moins 1 CC. Ouais, mais lui, toute mon armée a plus 1 CC. En plus, il faut que je fasse deux trucs différents. Donc j'ai 6 attaques pour le sergent. Allez, on va voir. Francky, si tu veux bien passer sur la zone Centurion. 2. Yes. On va passer maintenant sur le close des Centurions. Les Centurions, ils ont combien d'attaques de base? C'est 3 attaques par tête, ça charge 4. Et j'ai le sergent qui a plus d'une attaque, et donc il a 6 attaques. Ok, ça tape à force. Force 10. Force 10, PA. Moins 5. Moins 5, damage. 3. 3. Ok, c'est parti, tu touches à 3. Alors, 1, 2, 3, 4, et le sergent. Le sergent touche à 2, et le reste touche à 3. Y'a pas de reroll. Y'a pas de reroll. Zéro reroll. C'est parti. Ah merde, putain, moi je suis con. Voilà. Ça va prendre. Hop. Ben, dis. Hein. Non, ouais. Ça va prendre. T'avais des rerolls sur les as? Non, mais en fait, il aurait fallu que je garde mes PC pour exploser, mais c'est pas grave. Ok. Sur du 3, c'est du PV, c'est ça? Bah, fin de paye. Fin de paye. C'est ça x 3. C'est ça x 3. Ça marche. Ok. Donc là, attends, juste dans les comptes, tu fais 3, 6, 9, 9 et 4, tu fais 13 blessures qui passent. 13 x 3. 39. 39, feel no pain à 6. Fais-nous rêver, LOL. Montre-nous ce que t'as dans le pantal.
J'en ai 13, je vais faire 3 fois 100. Yes. D'accord, 39. Donc t'en prends 12. 12. 12 PV. Deuxième salve. Plus 13. C'est il est déjà mort. Il est mort. Donc, est-ce qu'il boum? Non. Il boum pas. J'aurais dû garder l'explosion, mais bon, je suis un peu dommage. C'est un peu idiot là. C'est pas grave. Piou. Ça fait des grosses, grosses explodes. C'est des. Je suis des 6 à 2 des 6, donc en fait, je pouvais faire un gros Bagdad là. Mais bon. Tempi. Et il fait son move de piline. Les centurions, les amis, ont complètement atomisé l'IKA. On voit que ça fonctionne bien. Ça fait plaisir. Si vous voulez des centurions à moins 20%, Mario B Place, les gars. Mais prenez les centurions d'assaut. Ouais, d'assaut. Hein. Vu le. Next, c'était petit garçon au milieu. Ouais, tout à fait. Ou le judicateur qui peut s'activer, ou les bédouins, on s'en fout. Ouais. Merci Soon pour le sub. Yes, merci Poto. Et du coup, ouais, je vais activer ce au milieu. Je vais te cliquer ici, ici. Et lui, il va juste faire ça. Mais oui, c'est pour ça, t'as raison. Bijan, c'est vrai qu'avec le Field No Pain à 5, le mortel. Ouais. C'est pour ça. Mais c'était mieux que la, de garder la safe, je pense. Ouais, ouais, je suis dans un. Mes charges ont été insane. Ouais. J'avoue, mes charges. T'es dans un gros tour, ouais. Ouais, tout à fait. Sous la charge épée de quoi. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais juste besoin de mes centurions. J'avais juste besoin de mes centurions. Bon, ils sont là quand même. En fait, c'était une technique, c'était du mind de lol parce qu'il voulait que tu avances tes blade guards. Ouais, ça. Pour on sait pas faire quoi. Ils sont au milieu. Voilà. Alors, j'ai 3 attaques pour 4 attaques pour le sergent et j'ai 3 attaques par tête derrière. Vas-y. Donc ils sont 4, ça fait 12 et 13. C'est quoi ça? C'est les mecs du milieu? Ouais, c'est les infiltrateurs, tout dans le petit. Les infiltrateurs. Oh, là. Tout dans le petit, ouais. Tout dans le petit, à 12. À 12. Je vais beaucoup moins bien marcher, hein. Il n'y a que moi qui l'a relevé sur le coup, je suis désolé, mais c'était énorme. Il va te mettre tout dans le petit, mon gars. Allez, Kuro, mets-lui tout dans le petit. Plus. Et à 5. Joli. 5 6. Ouais. Et c'est PA moins 1. PA moins 1, donc à 4 plus. Yes. Et c'est un damage, donc il y a du Field No Pain derrière. Un pev. Un pev. Ok, sur le petit. C'est bien, j'ai fait mes saves aussi bonnes que tes. Mais que mes attaques. Voilà. Et du coup, après, il me reste juste les peeling conso de tout le reste. Vas-y, je peux taper là-bas? Oui, oui. Donc lui, il va faire ça. Et les blade guards, il reste un PV à ton garçon? Il reste un PV à ton garçon. Là, on va se taper dans ce corps à corps-là. Bon, très honnêtement, hein, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Je commence par le gros garçon, évidemment. Allez, ça tape ici. On va voir la mort du chocolat en direct. De plus, il a reroll, lui. Non, il n'a pas reroll. Nine. Et sur du... Wow. Ouais. Mais non, de plus, c'était force 14. Non, là, j'ai utilisé sweep, tu peux redonner un dégât. Tout à fait. Ouais. Hop, et ben pas beau. 3, s'il te plaît, faire moins 3. Sur la 4 plus 1 vue, t'en rates une, t'es mort. Il est mort. Et ben voilà. Le chaplain décède, ça met 3 points d'assassinat pour notre ami. 4 points, c'est mon seigneur de guerre. 4. 4, c'est son seigneur de guerre. Ok, et ça continue à se taper, t'as le gros et le petit. Ouais. Mais non, le judicain, il peut pas taper, il a rechargé avec le gros. Okay. Ouais. Ouais, ouais. Il est pas engagé. Non. Ça marche. Ok, le gros. Le gros. C'est quoi les stats? Il est full. C'est de la merde, il fait 4 attaques. Après, j'ai la particularité, mais j'ai pas. Je peux faire le piétinement de tonnerre. Ouais. Mais c'est nul. Et surtout, je crois qu'il me faut des PC. Donc, on va faire les 4 attaques normales. Allez. Donc, à 2+. Reroll D1, lui. Oui. Il est en reroll des as. Non. Il touche à 2+, ok. Petit reroll, as reroll. Il touche au reroll. À 2+, c'est par rapport à mon serment à partir du moment où je suis honoré. Ok. As reroll, as roll de. Ouais, ouais, dans la famille. Dans la famille. Dans la famille. Et sur du 3. Oui. 3, reroll D1. Non, 3 sans PA. Donc à 3+. Il n'y a pas de PA, sérieux? Ah, 3+. Ouais. Attends, je suis une conne. Comment je tape? C'est ça, c'est piétinant. Et c'est. Ça passe. Il y en a un qui est passé, c'est ça? Oui, c'est dégâts 3 qui est passé. Dégâts 2, ouais. Voilà, t'as pas de PA? Non, non, si, c'est PA moins 2, oui. Bon, c'est un vu, c'est ouais, bon. Ouais. J'en ai le plus. Ok. Ça marche. Good. 2 PV, après t'as le petit encore qui peut taper dans les infiltrateurs. Ah oui, c'est vrai. Les infiltrateurs. Ça marche pas de 4, bah oui, dans les infiltrateurs. Donc 4, 2 plus reroll D1 et 3 plus reroll D1. T'en as 2 sans PA, s'il te plaît. Ah, c'est bon. Ouais. C'est bon. Good. Et bah parfait.
Fin de ton tour, je pense. Pas de test de Momo pour toi, Kuro, on est d'accord. Non, on est bon. Lol, on va éviter de faire l'affront. Alors, j'ai pas un test de Oko. Alors, 11 en plus, on commence par le scoring de Kuro. Primaire bis, 1, 2, 2. On est d'accord. Tout à fait. 2 points au primaire bis. Abattez-les, tu as tapé. Vas-y. Un gros. Un gros à 4 points. Ouais. Et c'est tout, je crois. Ok. Donc je mets un point de serment de l'instant. Sûr, parce que t'as pété un véhicule. Ouais, les bannières, on te les a déjà scorées. Ouais. LOL, tu mets 4 points d'assassinat. Oui. Mmh. Ok, alors, on peut rajouter à Kuro 2 et 4, 6, 6 et 1, 7. On peut rajouter 7 points à Kuro à la fin de son tour. Et on rajoutera encore les serments de l'instant à la fin du tour de LOL. Et à LOL, tu peux lui rajouter d'ores et déjà 4 points. Et je pense que tu mets 8 de primaire là-dedans. Oui. Oui. Donc tu peux lui rajouter 12 points à LOL. Et on passe sur le tour 3 de notre ami Lolichou. Ça marche, je regagne un PV partout. Oui. Les amis, ça dit quoi sur cette partie? Est-ce que ça se passe bien pour vous qui nous regardez en direct sur Twitch? Est-ce que vous passez un bon moment? Est-ce que ça vous fait plaisir de voir LOL? Est-ce que ça vous fait plaisir de voir Kuro? J'ai perdu l'autre. Est-ce que ça vous fait plaisir de tous nous voir? Un ballistic skin. On va faire plus un balistique ici. Il y a Jacques Boot qui dit la game Necron. DG, ça a donné quoi? Il y a quelqu'un qui a mis le score un petit peu plus haut. Ça fait 96 pour les Necrons à 71 pour les Death Guard. La Death Guard. Ok, Kuro nous sauce à donf. J'avoue, Kuro, tu t'es bien gavé sur la manœuvre. C'est plutôt propre. C'est quoi ça? C'était un PV sur le mec qui est mort au tir. Okay. Francky, tu veux bien me faire l'affichage où il y a le score sur la zénithale, que je vois où est-ce qu'on en est. On est à 38 pour Kuro et 23 pour LOL, sachant qu'on est, au début du tour 3 de LOL, donc il y a tout le scoring à engranger après du côté de son tour. Ouais, tout à fait. Comment j'ai utilisé 3 points de co, 2 points de co pour désengager avec lui et pouvoir tirer et charger, et 1 point de co pour faire que 3 des armigueurs que j'ai choisi, 1, 2 et 3, auront la blesse au dos sur du 6 pour toucher. D'accord? Ça va. Parce qu'en fait, les mortels, c'est trop gamble, ça me coûtait 3 avec lui et Dalphino Pain. Donc voilà, on va la jouer plutôt comme ça. Pour le lien des listes, les gars, vous mettez point d'exclamation liste dans le chat et vous avez le lien qui apparaît. Et on va saturer à mort les centus puisque c'est eux que je dois tuer en primeur. On va commencer par lui. Ils ont une invue? Non. D'accord. Ils ont une de plus. Et ils ont pas de Dalphino Pain? Non. Ils sont trop loin. Plus trop loin. On va commencer par l'Armiger, Elverine, qui est juste là. Ça marche? Lequel, le premier? Pas le Elverine. Le... Ah oui, avec le fuseur. Le fuseur. Lance thermale, là. Les deux passes. Yes! Sur du 5. Sur du 3. 2, s'il te plaît. Le fuseur normal, tu veux, au cas où? Ouais. Passe pas. C'est lui qui tient. Ouais. Alors, PA-4, ça fait PA-3. Il me semble que j'en ai un à couvert. T'en as un à couvert, c'est validé par la street. Ouais. Et ça fait une 4+. T'as une save à 1, du coup. Ouais, c'est PA-3. Mmh. 4+. Ça tank. Ça tank. Avec un. Ah non, il y avait deux scumaines. Oui. Ça marche. On va faire. Lance pour après. Ok, ici c'est fait. On va faire en remontant. On va passer par les petits garçons qui sont là. Celui-ci. Ouais. Sens-tu? Oui, tout dans les sens. Ouais, il faut que je les élimine. Oui, il faut que je les élimine. Mitrailleuse. Hop. Il a plus un CT lui. Donc là, vous l'avez bien compris. Francky, si tu veux mettre le cercle, ça envoie la sauce là-dessus. C'est toute l'armée Ika qui va tirer sur les sentus. 4D3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7. A de plus. Les 6 font 2 blesses. 2 blesses. Pas de reroll et sur du 3. Hop. Donc je vais les faire 2. Non, c'est dégâts 3. Donc je vais les faire 2 par 2 pour le mec qui a couvert. A de plus. Donc. A de plus. Et A de plus. On est bon. Ça marche. On va faire celui du fond. Ouais. Pareil. Donc lui il a rien. Une sur du ça marche. Et le fuseur, attends je vais faire une couleur histoire 2. Hop. Et sur du 3 aussi. C'est pas un fuseur, c'est un. Je parle de lui. Ah lui, ok, j'étais parti là-bas où. Donc t'as une lance thermale et un fuseur. Une lance thermale et un fuseur, donc A4 plus, c'est la lance thermale ça. Oui si tu veux. Allez, A4 plus. C'est bon. Et l'autre A4 plus. Ouais c'est bon. Ça marche. J'ai décidé de continuer dans mon tour bourrin. Et ben on va finir avec le LV1 du fond, là-bas. La mitrailleuse. Lui là, c'était aussi.
Et sur du 5, rien. Les 4 des 3. Les 4 des 3, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, j'ai compté 9. Les amis, pour ceux qui veulent savoir les horaires, 14h, la game, tôt, Thousand Sons. Non, mais je suis à 2 avec. Avec Chazo et Manix. Et. Bon, j'ai refait 2 par 2. Vas-y, vas-y. 19h. 19h, la game Eldar contre. Orc, Manolo contre Hugo. 14h et 19h, la deux prochaines games, et on vous attend nombreux, les amis. Le gros, El Papa. Le lance-flamme, il va aller dans le garçon devant. Ouais. Et tout le reste sur les autres. Ok, lance-flamme. 3 tirs. Ouais. A4. 2. PA-1. Tu tires sur qui? Sur la tuer. Tout sauf le lance-flamme. Ouais, c'est 2 PV. Non. C'est la flèche bougeait pas, il est sur les centures. Sauf le lance-flamme, mais c'est pas grave. Le lance-flamme, c'était sur le chaplain. Ouais. L'idée, c'est qu'en fait, il continue à salver sur les centures. Ouais, il veut tuer le maximum. Une, c'est le lance-missile. Donc c'est PA-1, donc 0, 2 plus. C'est bon. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et des 6, et 2, 1, 2, Gatling. Sur du 3. Oh mmh. PA-3. PA-3, donc ça fait 3 plus sur le mec à couvert. Mmh. Oh, je vais y arriver un jour. Hein. C'est bon. Mmh. Il meurt, et du coup, le reste à 4 plus. Mmh. Donc j'ai 2 morts de plus. Ça en fait 3. 3 morts. Le fuseur. Merci. 1, 2, 3, 3. Sur du 3, 2, fuseur, PA-4. C'est force 9 ? Force 9. Force 9. Donc PA-4, donc ça fait PA-3, donc c'est 2, 5 plus. Une réussite. 1 mort. Non, si tu fais un as. Je suis à mi-portée, je pense. T'es à mi-portée avec lui, ouais. Ok. Donc c'est des 6 plus 4. Oui, on est bon. Ça fait bien avoir. Ça fait un mort. À peu près, statistiquement. Il me reste le Elverine du fond qui va continuer la même. Et là, on passe sur le moins 1 dégâts. Ça marche. Moins 1 dégâts, c'est 3, donc c'est très bien. Pourquoi moins 1 dégâts? C'est le sergent. Une, c'est la mitrailleuse sans PA, donc 2 plus. 4 des 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 1. Hop. Et. Tiens. Donc là, 3 plus. Ouais. Il perd 2 PV. Ça marche. Est-ce que c'est 3 flat? Ouais. Ok. Et lui, il a 4 PV par contre, il a PV en plus. Il en a 5. Ok. Déclaration des charges. Phase de tir terminée. Ouais. Tu as lavé 4 centurions. Il lui reste donc que le sergent qui a perdu 2 PV. Charge ici. Petite charge 5. Oui. Lui, il va charger ça. Ouais. Et c'est tout, parce que c'est à 3. Après, tu peux faire ton dévot de push. Non, les orques, les gars, c'est à, là, ici aussi. C'est à ouais. 19h. Et c'est tout. Ok. 19h, ah, les orques. Et lui, ce que je charge là-bas, histoire de te contraindre un peu, je vais prendre des patates gratis. Il y a une question de Wargame TV. Oui, il fait moins 1 dégâts. Bob parlait d'un atelier DG hier. Où peut-on le rejoindre, SVP? Il n'est pas avec nous dans la pièce, il vous répondra tout à l'heure. Charge à 5. Mais on a vu passer la remarque. Si, bah, il est là, il arrive. L'atelier DG, c'est comment on fait? Comment ça se passe? Le Death Guard Lab, en fait, il n'y a pas de. La petite guerre, est pas, pour le moment, il est pas public. Début de phase 1. Donc, il faut me contacter. Fin de la phase 1. Ouais, ils vont être contactez-moi directement pour accéder au Death Guard Lab, on discute et après on met un groupe privé. Ouais, c'est ça. Ils vont être deux. Ouais, je joue ma charge, ça va, ouais. Ça va être compliqué. Et une charge sur l'autre, double 1 c'est bon, et l'autre c'est bon. Oui. Lui il a 2. Ok. Comme ça. Et le gros il vient aussi. Voilà. Ok. Bon, bah j'ai loupé la charge qu'il fallait pas louper. C'est laquelle que t'as loupé? C'est la charge à 5 là-bas. Oh, sérieux? Ouais, charge à combien? Double 2. Charge à 5. Oh mon petit lot. Bah oui, mais ça arrive. Je vais claquer mon CP. Je vais faire un devote push avec le judicateur. Je vais me rapprocher, je vais te mettre un fight last là. Pour 2 PV? Vas-y. Il me reste 3 PV. Et en fait, j'interromps automatiquement après. Ouais, ouais. Vas-y. Fais, mon gars. Ouais. Vas-y. Ok. Je suis pas sûr que tu en avais besoin. Laisse-le faire. On veut voir si. Il reste 3 PV. Si le plan. Si le plan fonctionne. Pas 2. Non, c'est 7 PV. Tu m'as fait perdre 2 et 2 après. Ouais, donc 4. Ça fait 4.
C'est ah, mais ça. Depuis tout à l'heure, il m'a aidé. Parce qu'il a mis à 5 qui était en fait le nombre de PV qui nous restait. Oui, c'est vrai. Il m'a confusé. Ah, et bah ouais, Confucius aussi, mon gars. Vas-y. Donc là, c'est le gros qui tape. Sur les deux. C'est le gros qui tape. C'est ça. Là, on l'a fait vite fait. Une petite zénithale, Francky, s'il te plaît. Ah, oui, ça. Juste deux petites secondes. Notre ami Kuro, il a claqué un PC pour faire son dévou de push. Il a pu venir avancer son Judicar et du coup il active un Fight Last sur Papa, ce qui veut dire que Gros va taper et que s'il ne tue pas le Chapi Chapeau, le Chapi Chapeau pourra tenter de se farcir cette petite Ika dont j'ignore, on ne me rappelle pas les blazes, les classes, les... C'est leur milieu basique. C'est bon ouais, vas-y, c'est tout sans doute. Non, c'est un corps à corps. De plus. Alors, le gros qui tape, il piétine bien. 3 plus. 3 plus plus. 3, s'il te plaît. PA moins 2, donc t'as un vu à 4. PA moins 2, là. Un vu à 3K. Bah, il est mort. Il est mort. Eh ben voilà. Non, c'est combien, c'est 2 ? C'est 2. C'est 2. Ouais, eh ben écoute. Statistiquement, il est mort. Le début de push. Et ça ne fonctionnera pas. Ça marche. 3 points d'assassinat pour toi, ça fait plaisir. Mmh. Ok. Bah, du coup, ça, je pense que ça arrête la séquence. Et tape comment ton Jusica ? 5 attaques de force 7, PA moins 4, dégâts 2 et mes DBM. Bah, on va pas bouger. Ça marche, ok. Je vous propose qu'on séquence le scoring. Pas de test de morale de ton côté. Si, le centurion peut-être. Il a perdu 4 copains quand même. Commandement de 8. Commandement 8, le sergent centurion. Ouais. Je crois, ou 9. Non, c'est un élite 9. Ah, hein. Vérifie. Ouais, vérifie s'il te plaît, parce que je pense que ça va avoir un impact quand même assez important. Alors. Un peu. Choukran! Chouya, ce choukran ça n'a rien à voir, désolé. Je ne maîtrise pas encore la langue de Shakespeare. Non, commandement 8. C'est une blague. Commandement 8, t'as perdu 4 gars. Mec, sur un 5 à 6, il dead. Ça va, tu t'en sors bien. Ok. Et ben j'ai tué qu'une unité au 4 puisque j'ai loupé ma charge de gros blaireau. Oui, gros blaireau. C'est bien. Alors, scoring, lol. Loli lol. Primaire bis, tu mets. J'ai pas fait ma mitrailleuse. Non, j'ai fait sur qui ma mitrailleuse? T'as mis tout là-bas, mais ouais. Fais ta mitrailleuse, fais-la. En fait, j'avais deux mitrailleuses, non, bon, c'est pas grave. Hop, j'avais ouais, les deux mitrailleuses là qui tiraient là. Oui. Vas-y. Première. Roll des as. Non, il n'y a rien du tout là. Et 4 plus, non, et la deuxième. Hop, et 4 plus, 1, 2. On a du mal à viser le genre. Oui. C'est bon. Ça marche. Bon, donc je prends mon point d'honneur. Loli lol, mon bichon, tu mets combien de points? Tu mets 2 points de primaire vis? J'ai pas fait le primaire vice. Il a pas fait. J'ai pas pu là. Okay. Ah bah oui, non, là. Pas de c'est l'avantage de l'IK en fait. Ouais, l'avantage de l'IK quand tu es sur un scénario action. Parce que la dernière fois que j'étais venu, on m'avait mis les bombes. J'ai dit que c'était encore une très bonne idée. Alors... C'est une complainte. C'est ton moment. C'est ton moment, vas-y, fais les signes. Non, je mets de la merde. Honneur, je fais 0. Ok, pouce. C'est des pannes à pouce, je fais 1 point. 1 point. Ouais. Et assassinat, je fais 3 points. Kuro, ouais. De ton côté moins, je mets tous mes points de hausse. Non, je mets 2 points de... Excuse-moi, ma domination. Je mets 2 points supplémentaires. Moitié. Attends, on passe ouais. Sur LOL, excuse-moi. Pousse, j'ai 2 points. Ok. Deuxièmement, ouais. On t'avait déjà compté le véhicule, ouais. Et donc là, t'es dans le centre. Ouais. Et t'as pas désengagé ni rien. Non. Ok. Je n'ai pas fui. Alors, pour notre ami LOL, il faut lui rajouter 2 et. Là, c'est ça. 3. 2 et 3. Tu mets plus 5 points pour LOL. Et tu peux mettre plus 2 points pour Kuro. En sachant qu'il attaque son T4 et qu'il va mettre combien de points de primaire, le bon Kuro ? 8. 8 et 3 points de bannière supplémentaires. Ça fait 8 et 3, ça fait 11, plus tes 2 points de serment. 13. En gros, ça te fait plus 13 points au total par rapport à la fin du tour 3. Et on te laisse donc attaquer ton T4, mon Kuro. Vous êtes bon dans le timing, les gars. Je pense qu'il nous reste là, ça va être plié, 45 minutes de jeu. Je pense que la charge de jeu joue beaucoup. Ouais. Vas-y, face de coup et on va aller vite. Il va se donner la full reroll des touches. Merci, merci pour ça. Voilà. C'est tout. Est-ce que tu as d'autres questions? Et du coup, phase de mouvement terminée. Parce qu'il y a de toute façon des deux côtés. Enfin, de mon côté, il ne reste plus énormément de choses non plus. Mais bon, j'ai l'habitude, les parties finissent toujours avec plus grand chose sur la table. Yes, phase de psy terminée. Ouais, phase de tir, j'attends que je revienne. Phase de tir, vas-y, tu peux préparer tes dice, il va arriver dans quelques petits instants. Alors, j'ai ça pour Elbrecht. Les centus vont tout tirer. Phase de tir, le. Okay. Donc là, je suis à portée de bolter court, donc ça fait 24 tirs de bolter dans celui qui est tout derrière. Fais-moi rêver. Bon, je commence quand même. Make me dream again! Elbrecht, il tire toutes ses armes en gros.
Donc à 3 plus reroll. Et du coup à 5 plus et à 4 plus pour le blanc. Donc une PA-1 et une PA-4. PA-1 pour combien de dégâts? Pour un dégât PA-1. Donc bah 3 plus, ça tank. Et l'autre c'est PA-4 pour D6 plus 2. D6 plus 2 c'est le fuseur. Ouais, il est directement surchauffe tout le temps. 5 plus. Ça tank. Yes, c'est tanké par le gros. 5 tirs de pistolet. Non, 4 tirs de pistolet bolter lourd au milieu des. Dans le petit à côté. Tu fais 5. Ça fait une PA-2. PA-2. Non. Combien de dégâts? Un seul. Non. Le judicateur va faire la même. C'est plus. Francky, c'est plus Elbrecht. Hein. Enlève le cercle. Rien du tout. Enlève le cercle. Ensuite, j'ai 8 tirs des infiltrators dans le petit Elverine tout au fond. Celui-ci? Ouais. Ah, l'Elverine ou le Warglaive? C'est celui avec le Warglaive, Elverine. Elverine. Tout dans le petit? Oui. Tout dans le petit encore? Ouais, toujours. Sur les 5. Ça va être trop dans tout le week-end. Une. PA-1. Non, pas de PA. Pas de PA. Pas de palais. Pas de palais. Un dégât. Rien. Ça alors, passe. Les centurions. T'es pas blessé, lui, encore. Papapapapap. Mais si, il blesse auto, ça va. Ah, je croyais que c'était pour les incursors. C'est pas pour les incursors? Je crois que les infiltrateurs, ils ignorent juste les covers. Ok. Next. Les centurions. Ils font comment? Alors, tous les fuseurs dans celui de corps à corps. Et tous les bolters dans le Elverine au fond. Donc les fuseurs en blanc. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on plaque? C'est quoi? C'est un CP, 4 plus 1 vue. Parce qu'après, t'as quoi? T'as le sergent, t'as 6 attaques, plus 4, t'as 10 attaques. Ouais, t'es pas en full reroll? Non, j'ai pas de reroll. Puis lui, il a pas moins un dégât. Ouais, mais même beaucoup. C'est des infiltrateurs qui font 6, c'est ça. Bon, bah, s'il y avait des 6, dites-le, les gars. Il y avait 2 6, mais c'est pas grave. Bon. C'est passé, on fera ça au prochain. Allez, on plus. C'est sur le Elverine du fond. Sur le Elverine du fond, c'est celui au fond là-bas? Ouais, tout à fait. C'est okay. Les bolters. Les centus. Ouais. Tant de bolters pour si peu de centus? 3. 5, 3. Ouais, c'est, 20, c'est 12 tirs par centu. Pas de PA, si? Pas de PA. Merci. Ça passe. Allez, les 4 tirs de fuseur dans le celui de corps à corps. Vas-y. 3 qui passent. T'as tiré dans lequel là? Excuse-moi. Deux. Tout au fond. Ah oui, ok. 2. Ça t'en fait 2 à PA-4. Tout passe. Donc des 6 plus 2 à chaque fois, parce que je pense que je suis à mi-portée. Ouais, je pense, oui. C'est 12 à mi-portée? Ouais. C'est 6. Oui. Non, c'est sur le corps à corps. Donc ça fait 10 et 2, 12. Et 14. 14. 5, 6. Ouais, d'accord, t'es sur celui-là. 10, non, là je tire sur lui. 12, les bolters sur lui, les fuseurs là. Et ben je prends beaucoup trop de PV. Il est dead? Oh oui. Est-ce qu'il boom? Ah, est-ce qu'il boom? Ce serait ici, pas mal. Ici, ça kaboom. C'est quoi le 1 à côté de ton mec? C'est le PV perdu. Parce qu'il c'est le sergent. Il est revient en vie. Non, c'est un mec lambda. Il revient en vie avec des 3 PV. T'as fait... J'ai fait ouais, gagner les 3 PV sur le sergent et j'ai refait pop un mec à 3 PV. On serait bien explosé. Non. Petit cas en moins. Un moins moins. Donc ça me sécurise 3 points quoi qu'il arrive à ce tour là. Ok, ouais. On est bon pour ça. Et du coup, sécurise même 3. Est-ce que là je fais l'affront de tirer? Oui. Oui, je vais tirer, je tire. Allez, vas-y. Donc là c'est un curseur, donc j'ignore les couverts avec eux. Les incurseurs qui tirent, je ne suis pas jamais concerné dans un couvert. Hein. Rien du tout. Okay. Je suis un titanesque, hein. Je suis jamais dans un couvert. Hein. Ok, bah fin de ma phase de tir. Phase de charge. Je vais faire charger Elbrecht sur lui. Vas-y. Tu me vois pas, ton truc. Non. Donc c'est parti. Oula. Ça va être alors la reroll celle-là. On va la reroll tout de suite. Il a pris 2 autres dés. 7. Ça devrait être bon. Oui, ça le fait 7. Oui. Peut-être que je vois. C'est bon. Hop. Large. Les Blade Guard vont charger les deux unités. Mm-hmm. Vas-y. Large. Okay. C'est chaud. Tu veux pas la reroll? Non. C'est dommage. Moi je la reroll pour toi. Judicateur, il va juste charger le petit. Vas-y. Ça passe. Eux vont charger les deux. Yes. Ça passe. Je pense que c'est bon. Oui. Sur mon 6 là. Avec mon blanc. Oui, je pensais que j'étais plus loin que ça.
Et les centurions vont dire voilà. Bien sûr, bonjour. Sur le premier. Sur le premier. Ça marche. Ça passe, c'est une danse d'une charge de tour. C'est qui ce gland là? C'est l'apothicaire. L'apothicaire. C'est celui qui soigne oui. désespérément tout ce qu'il peut faire. Comment? Il charge pas? Il a advent. Réanimation sur le terrain, tu repopes avec tous les PV. Hein. Non, c'est 3 PV. Bah, je sais pas ce qu'ils disent. Tu soignes pas maximum de 3 et tu repopes full. Bah, confirmez-moi. Confirmez-moi si c'est ça. Ça change pas grand chose. Non, là, mais effectivement. Ok, tu mets Fight Class sur qui? Sur Kate. De toute façon, je tape tout avant. On est d'accord? Tu peux pas intégrer. Ah, bah oui, donc ça a aucun intérêt. Ça a aucun intérêt. Bon. C'est juste pour dire le goût. Ça revient full PV. Bon, bah, on enlève le dé. Tac. Merci les gars. Je ne savais pas. Je croyais que c'était 3 parce qu'ils sont une de 3. Ah, ça me fait plaisir. J'ai le droit, je vais taper dans le groupe. Vas-y, vas-y. Allez. Il tape comment, Pépichou? Il tape 7 attaques de force 8, PA moins 4, dégâts 3. Vas-y. Allez, du 2 reroll. Ce qui s'est passé, ça peut reroll sur lui-même. Et sur du 4, c'est du PV. Ouais. Et il n'y a pas de reroll là-dessus. C'est PA combien? C'est PA moins 4. Ah, ok. Donc ça te fait 6 PV. 6 PV. 6 fils de paille. On est ici, si tu veux spotter, Francky. Ah, merci. 5. 5 PV. Il était à 16, il passe à 11. C'est ça? C'est ça. Je vais faire mon judicateur qui va taper sur lui. Ça marche. Il tape comment, judicateur? 5 attaques de force 7, PA moins 4, dégâts 2 et DBM. Sur ok. 10. Et bon, on va se passer en un plus un 7. Plus un 7. Ok, sur le petit. Tout touche. Tout touche. Allez, des 6. Donc tu prendras une BM et tu as. Bah, c'est 4 à PA moins 4. 3 PA moins 4. T'es sûr de la save à 6 du coup? Comme t'es passé plus un save? Ouais. 3, c'est ça? Ouais. 3 save à 6. Oui. Donc ça fait 4 Fino Pain. T'as pas de Fino Pain sur la BN. 4 Fino Pain, ça fait 3, 4 PV. Il en reste 4. Ça marche. Ouais, je pense que les Blade Guards vont m'expliquer comment ça se passe. Ça va être le but. Je vais rester comme ça. J'ai 3 Blade Guards qui vont taper dans le petit et un dans le gros. Vas-y. Donc je vais faire dans le gros en premier. Donc à 3 plus Riron les As. Sur du 5. Vas-y. Ça t'en fait 3, PA moins 4 pour dégâts 2. Et bah il prend 6 PV, il passe à 5. C'est qui a tapé hein? C'est un Blade Guard. Tout est passé. Ouais. Okay. Et les autres dans le petit. Donc tout le reste dans le petit. 5, c'est ça. 2 et 3. Allez, c'est parti. À 3, regarde les As. Les Blade Guard qui tapent sur le petit. Et c'est force 6, ça change rien. C'est sur du 5. Yes. Ça. 5, 1, 2, 3. 2, 3. 3, 3. A 6, PA moins 3. PA moins 4. PA moins 4, donc à 6. 2 dégâts. 2 dégâts, il est pas en liche, lui. Donc 2 dégâts, ça fait 4. 4, il lui reste 4 PV. C'est ça. Est-ce qu'il explose? Non. Badaboum. Badabim. Ok. T'as quelque chose de super OP là? Non. Pas du tout. Ok. La peau de ses rouleaux. Ça marche. Non, tu vas pouvoir scorer à ce point-là. Ouais, ouais. Next. Et du coup, les centurions glands. Ouais, les centurions, donc j'ai 6 attaques de sergent et 4 attaques de mecs à côté. Du 2 pour les noirs et du 3 pour les blancs. Hop, hop. Sur du 3, c'est du PV. Bon bah. 3, 6, 9, 12. Non, je reste lui. Ok, donc 4, 8. C'est ça, t'as combien? 1, 2, 3. T'en as 7, t'en as 14. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 4, 5. Tu fais que les Fino Pain là. Ouais, bah d'accord. Oui. 3, 4, 5, 6. Allez, faut que tu fasses 5, 6. 1, 2, 3. Il va rester 10 PV, tu as vu? Ça marche. Il est dead. Pause. Non, toujours pas. Pom, pom, pom. Yes. Et les petits garçons derrière. Les petits garçons derrière, ils vont taper dans ce qui reste. Et du coup, ils sont 13. Ça fait 13 attaques. Faut que tu mettes 7, 8, 10. Mais arrêtez-le, ouais. Ouais. Attention, maman, il réussit 3 charges, c'est fini, les gars. Hein. Une, deux, trois. 4. 4 à moins 1. Oh, joli. Ouais, combien de PV? C'est 1.
Bah, 4 PV. Bravo, putain. Les mecs, ils ont loupé leur save à 4. 4 PV, je passe à 8. Yes. Good. C'est bon? C'est bon pour moi. C'est bon pour toi, c'est validé. Mon chéri, là. Ok. On te laisse passer cette erreur-là. Parce que tu l'as laissé passer, on va pas te corriger toutes les erreurs. Hein. Là, ici, là, tu lui laisses l'objectif, du coup, parce que tu ne pilines pas. Du coup, tu as 4 figurines et lui, il a 5 figurines. Oui, tout à fait, non, mais c'est pas... Tu aurais pu lui prendre, mais tu seras sanctionné pour ça. On te sanctionne. Encore, c'est même pas sûr que je suis, parce qu'il faut que je me rapproche de la figurine. C'est à ton mouvement à la base, à ton mouvement à la charge. Mais tu ne l'as pas fait, on ne le valide pas. Tout à fait, je ne suis pas d'accord, on ne le valide pas. On lui a déjà accordé une charge des Blade Guard, ça va un moment. Ça va, hein. On fait ton scoring, tu n'as pas de test de morale, on est d'accord. Tout est bon. Alors, ton scoring fin de tour, on veut dire primaire bis pour toi. 2, ok, abattez-les, tu pètes 2 petits, je crois. 2 petits, il score là. 3 petits. 6 points. 1, 2, 3, 4. Il va le caper celui-là, tout bien. C'est avant de l'instant, tu mets déjà 1 point, c'est sûr. Oui. Et les gagnants, on les a déjà scorés. Donc à ce tour-ci, tu rajoutes 2 et 6, 8 et 1, 9. Tu peux rajouter 9 points à Kuro sur cette fin de tour. 4 de son côté. Je peux taper. LOL, il commence ses primaires, il va mettre 8 points de primaire par contre. On est d'accord? Ouais, je vais juste taper, ça ne dérange pas. Ouais, histoire d'enlever l'hélix. Voilà. On va taper sur qui là-bas? On va taper sur. Il y a quoi? Il y a que les Blade Guard et il y a le Brechton. On va taper là. 4 attaques sur normal. Hop. Il a quoi lui? Il a pas de reroll. Il a plus un ballistic skill et. Rien, bravo. Lui, il va taper. Ah non, le 2 passé en fait, mais c'est pas là. Mais vas-y, fais-le, lance. On s'en fout. Non, tu vois, ça voulait pas. Et lui, il va taper. Les Blade, ils ont 4 PEV. Elbrecht, on a combien? 8. C'est si on refait le cac, les gars. Il a fait le cac. Il a une 2 plus 1. Il a une 2 plus 1. Il a une 4 plus 1 vue. Oui. On va taper sur Albrecht, c'est rigolo. 2 plus, c'est bon. Et on du 4? Oui. 2 plus 3, s'il te plaît. PA 1 vue. PA moins 2, c'est effectivement. Donc PA moins 1, non, c'est une 3 plus. Mm-hmm. Ben voilà, 4 PEV, ça prendra. Tout à fait. Regarde, comme ça, j'ai la place pour mettre. Ça me va. Bien joué. Good, et ben voilà, tac tac tac, phase de cours, ça va être rapide. C'est bon, on a validé les scores, t'as mis les plus 8 de primaire pour LOL. Super, on est à 60 à 36. Bon, très honnêtement, LOL peut pas. Non, on va essayer de sauver l'honneur, mais ça va aller très très vite. Ouais, la partie elle est pliée. C'est une. À partir du moment où il réussit ses 3 charges, elle était pliée. Donc j'ai 2 points de cours, bam. Avec les 2 points de cours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer full capacité lui. Donc comme s'il était normal. Non, on va désengager. Là, parce que je veux. J'ai gagné un CP. Je veux avoiner quand même. Oui, je veux avoiner. Et tout mère, la partie est finie. Autant essayer de au moins sauver l'honneur. Francky Manolo, il s'est levé. Oui, il est d'accord. Toujours parce que c'est un perso, lui. Mais c'est un perso, tout à fait. Mais il faut aller prendre son pouls quand même. Hein, parce que... Non, mais sérieux, faut pas qu'il ait cané dans la nuit, quoi. Attends, je vais quand même aller toquer. Mais on va vérifier si Manolo sera là avec nous cet après-midi. Ça marche. Et puis lui, on va rester là. Non. J'essaie d'aller chercher les suspense. Ah, il a l'air de répondre. Je les aurais pas, les gars. J'ai pas entendu, j'avoue. On va essayer de faire comme ça. Bon, alors, bonne nouvelle. Go. Manolo est encore parmi nous, tout va bien. C'est comme ça pour mettre un petit peu de mitrailleuse histoire. Allez, go! C'est parti! Yes! C'est bon, bonne nouvelle, Manu est encore! Ça va être rapide! J'ai fait Manu, j'ai entendu! Ouais! C'est canicule, faut faire attention à nos yeux. Okay. Et puis on va faire le truc des blesses auto, ça coûte rien, tout je vais mourir au tour d'après. Voilà, blesses auto pour les deux armigars qui restent. Ça marche! Tire! Lui, il va tout mettre. Non! Il lui reste 4 PV, t'as pas de truc pour empêcher quoi que ce soit. Physio, c'est tout. Ouais, t'as la physio. Ouais. Mais t'as 2 PC. Hop. C'était combien de pourcentage le vote de cette 82. Partie 82% pour les Ikea. On va tout mettre. On va mettre lance-flamme sur eux. Ouais. Mitrailleuse et missile sur lui. Ouais. Et tout le reste sur lui. Ça marche. Bah écoute, on va physio sur Elbrecht. Hein. Vas-y. Lance-flamme, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est sur les Blade Guard. Ouais, tu as une. Si t'as... Oh, ça veut pas. Non, okay. Et non, je suis pas à quoi. C'est bon. Non, t'es PA-1. Ouais.
Un petit PV, s'il te plaît. Un petit PV, tout à fait. S'il te plaît. Non, mais je crois que t'étais pilasé. Ouais, s'il te plaît. La mitrailleuse sur le garçon du fond. Non, le 3 passe pas. Et 2, s'il te plaît. Un PV. Il aura fait le taf jusqu'au bout. Les 3 missiles. 2 qui passent. 2. 2, s'il te plaît. Donc 2 PA-1. On est sur les pages, hein, c'est ça? Non, non, on est sur celui-là qui... Là, poup, ça marche. Ah, il n'est plus là. Il n'est plus là. Pam, pam, pam. Ok. Et maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plus 4. C'est Rex. A 3 plus. A 4 plus. Il y avait du bruit. Tout s'explique. Quand tu vois cette tête arriver, c'est bon. Tu sais qu'il y a du bruit. Tiens. S'il te plaît, pour Albrecht. Pour Albrecht, donc c'est PA-3, donc PA-2, donc un vu à 4. Il est mort. Parfait. Ça marche. Le garçon qui est là-bas, il met tout dans tes Blade Guard. Mitrailleuse. Lui, il a plus 1, donc c'est bon. Oui. Et 2, s'il te plaît. Lui, il n'a plus rien. Deux invus. Il est trop loin. Un mort. Un mort, ça marche. Les 4 des 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc à 2 plus. On te répond dans 2 minutes, Marshall, on finit la phase de tir. Et 3 plus, tiens, s'il te plaît. 4 plus 1 but, c'est un blé de boire mort à chaque fois. C'est qui tient là du coup? C'est l'aise de règne du bout. Ok. Et bah t'as... Mort. 3 morts, 4 morts, hop. Avant c'est quoi qui tirait du coup? C'était lui là-bas, et maintenant donc je perdais qu'un PV. Parce que je c'était que... Ah non, c'est lui qui tire? Non, là, c'est lui. Ok. Et lui, il a tiré avant? Non, lui, il va tirer. Ok. J'avais un mort et là, j'en perds 3. On va perdre 4, en fait. Donc, ils sont tous morts. Non, parce qu'avant, j'ai cru que t'étais dégâts 3. Ça marche. Les et l'autre, au fond, bah, il va tout tirer dans les... T'es super auprès. De toute manière, tu vas m'ouvrir. C'est clair, net et précis. Est-ce qu'il vaut pas mieux, histoire de rigoler? Bah non, on va tirer sur lui. Ah oui. On va tirer sur lui. Là, faut que tu tires sur, bah oui. Sur la petite. D'accord, tout à fait. Mitrailleuse. Il est là en plein milieu, juste à la ceinture. Voilà, c'est lui. Et rien. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est là qu'il serre les fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il serre très fort, je l'entends aussi. Mmh. C'est ça. Et sur lui, 3, 2, s'il te plaît. Allez, donc 2 AP à moins 2, moins 1, donc c'est une 4 plus. 3 PV, donc 3 Finopane à 6. 3 PV. Ça marche. Il en reste 1. Ok. Puis bah, on va charger. Tu peux mettre qu'un Fight Last. Je peux mettre qu'un Fight Last. Après, tu tapes comme une brute, mais bon, si je peux essayer de marquer des points. Histoire de. Parce que voilà. Charge à 9, c'est ça? Je te dis ça. Oui, oui, oui. 9, et là, charge à. Moi, je dirais 6. Ouais, charge à 6. Ok, let's go. Charge à 6. Splendide, charge à 9, 8, et ben non. Donc il y a lui qui charge. Yes. Donc ça va être pour l'objet aussi. Tout à fait. Si tu le tues pas comme une brutasse. Merci Gabi. Donc 3 plus. Tu mettais le Fight Last? Oui. Bon, ça change quelque chose. Voilà, ça c'est mes touches. Ouais. Vas-y. 5 attaques, il touche à 2. Qui laisse à 5. T'as une BM et une 2 PV. 2 PV, ouais. C'est PA moins 4. Bon, bah tu vois les 2 PV. 1 PV. Donc les 4 et 2 plus. T'as 4 save, PA moins 2 pour 2 dégâts flat. 4 save à moins 2, donc 1 moins 1. Dans tous les cas, c'est une 4 plus. Je sais pas. Et t'as combien de PV? J'en ai 5. 2 PV. Ça marche. Et c'est fini pour moi. Ah non, je voulais charger là, excuse-moi aussi. Eh oui, vas-y, vas-y. Je suis mort, mais au moins je te reprends l'objet. 7. Tac. Ça fait 4. 4 ou 2. Papate pour la forme. Ah non, c'est 2, ça passe. Et hop. Ah, oui. Très bien, ça marche. Bah, je fais mes attaques. 5, 10 et 3, 13. Du 5. Ça te fait 4 save à PA-1. Sûr. Sur le Hermigène. Ça marche. 4 save, APA-1, 4 plus, 3, putain, c'est bon. 3 PV, putain, je fais
Il lui restait combien? Il lui restait 9 PV. Et on passe à 6. Ça marche. Donc, Torop n'est pas là pour faire le scoring. Donc, j'avais marqué 8 de primaire. Tu m'avais noté le 8 de primaire? Oui, il était noté. L'honneur, je perds. Oui. Est-ce que. Ah non, je perds pas. Tu m'as pété 2 unités. Mais pas encore un corps. Non, c'est rien. D'accord, donc je marque rien. Assassinat, tu mets 3 points de plus. 3 points. Et pousse, j'ai plus d'objets que toi, donc je marque. Non. 1, 2, 3. Comment tu l'as mis? Bah, je les ai de, depuis. De... Ah oui, c'est vrai, putain. Ah oui. Scénario qui ne me sert pas en plus. donc non, bah, j'ai le même. Donc j'ai. 1 point. 3 et 3. 3 et 3. Non, mais. Oui, c'est. Comment il se. Comment il se. Le, l'objet, comment ah, il oui. se. Comment il fait? Comment il s'intitule? Hop. Ta 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 ta. Ça, c'est un point. Si j'ai la moitié, donc c'est 1. Ça, je l'ai pas. Et si j'ai avancé. Non, t'as reculé avancé. Là. Ouais, mais j'ai réavancé. Donc je suis allé. Et t'as avancé là, ouais. Donc j'ai 2 points. Voilà, 2 points. Je ne sais pas où il a créé. Donc, ok. Donc honneur, j'ai 0. Là, j'ai 2 points. Donc je présume que. Enfin, je sais pas comment c'est, il fait ça. Et. Ouais. Assassinat 3 points. Ça marche. Donc et au total. Coup, et je mets 2 points de cerveau de l'instant. Yes. C'est plus 5 pour toi là. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Et t'avais compté mon primaire. Hein. Ouais, ouais. T'es plus 2 pour moi. Voilà. Dernier tour. J'ai primaire plus de 8 points. C'est ça. J'ai plus de phase de coup. Mmh. Donc ça va aller très vite. Mmh. Donc ça fait combien là? Je fais une charge à 10. De toute façon, on t'en a tenté. Hein. Il valent rien. Lui, donc. Ah non, ce sera même plus. Non, si je ne m'abuse, c'est tous les points, mais c'est que le. Ce sera une charge plus proche. Le branche dans, dans la zone de déploiement sur laquelle on peut faire l'action. Mmh. Je reprends un point de coup. Où en sommes-nous? On est au début du tour 5. Oui, ça, oui, oui, ça, oui, tout à fait. Nous sommes au début du tour 5. Nous sommes 248. Vous êtes toujours bon aussi fidèles. Ça fait plaisir. Merci à tous de nous suivre. C'est pas uniquement les objets du coup 25 qui sont conservés, je sais pas. Non, je peux en mettre l'objectif. Je crois que c'est tous les objets. Je suis quasi sûr que c'est tous les objets, Marshall. Mais alors, attends, je vois pas. C'est l'objectif. Là, c'est bon. Oh, vous y êtes? C'est quoi? C'est des pas d'un pouce? C'est le. Non, c'est le. C'est le progressif du scénar. Du scénar. Ah, c'est là. Je crois que c'est tous les objets, là. Je crois que c'est tous les. Tiens, si tu veux. Tu l'as ou. Vas-y, finis ta phase de move, j'ai bougé. Je suis quasi sûr que c'était ici. Alors, bah écoute, j'ai tout fait bouger donc. Et c'est marre, c'est avant. Ça va aller vite. Hein. Ah ouais, c'est au début. Il reste plus grand chose. J'ai un doute. Je pense qu'on s'est assez mis sur la tronche. C'est la grosse bagarre. Bon, j'ai 12 tirs sur le Armigy là-bas. 4 tirs là-bas, puis un tir là. Oula, qu'est-ce qu'il me fait là? Je fais le tir sur le gros, le chat, vous êtes témoin. Donc 3 plus. Elle botte. Ça touche pas. Elle est en PLS, c'est assez souris. C'est la faute de la souris, évidemment. J'ai 12 tirs dans l'Armigy tout au fond avec mes centurions. Vas-y. C'est pas, oui, c'est le tir de. Ouais, c'est le tir de bol. Voilà, vas-y. Bon, ouais, c'est vraiment. Pour ce si je suis un PV. T'es où là? C'est les centurions. Sur l'armigue. Ouais, sur l'armigueur. Alors, non, ceci sera. Une. Non, t'es en durant 7. Forcément. Ah, oui, excuse-moi. Une. Ça tombe. Okay. Puis les 4 tirs de pistolet dans le corps à corps. Vas-y. Rien? Rien. Ok. C'est une. C'est, je sais pas, c'est force. Moins 1, force 4. Ah, là-bas? Ouais. Non. Lui, il a même pas touché. Rien. Oh, enfin, si, un PV. Ok, le reste, ça. Yes. Déclaration des charges. Bah, j'ai mes centurions qui vont charger ton gros. Donc maintenant, il a la charge à combien? À 8, normalement. Ouais, charge à 8. Ça marche. Salut, Bubu. Et j'ai mon apothicaire qui va essayer de faire une charge là-bas. Oula. Juste, en se mettant entre les deux, je pense que je suis à moins d'un pouce. Ouais, c'est vrai. Donc c'est. Ouais, c'est... J'ai raté pour la première, je m'y roll.
En effet, c'est, apparemment, c'était vérifié. C'est uniquement ceux du No Man's Land qui sont gardiens. Bon, bah donc en fait, t'avais 4 points de moins. 4 points de moins pour. Ouais, il a 4 points de moins. Hop. Non, j'ai toujours la manière, je mets. Par contre, j'ai 3 points de manière. Bah oui, ça. Bah oui. Merci pour l'info, le chat. Et 4 points de moins. C'est ça. C'est ça. Donc on est à 58. En gros, tu m'enlèves un point, c'est tout. Un point? Tu m'enlèves un point parce qu'en gros, je perds 4 points de primaire, mais je gagne 3 points de primaire. Ah de manière. 61. Ok. Bah écoute. Oui, c'est la bannière, tu la gardes tant que je l'ai pas repris. Ouais, c'est ça. Je te mets un fight last. Bien sûr, je tape avec les centurions. Vas-y. Alors, le Red, je te mets la commande des listes. Tu vas pouvoir voir sur le site Creative Wargame les différents. Ouais, merci Marshall. Bah oui, c'est sûr que tu l'as joué la semaine dernière, ça aide. C'est bon à savoir. Sur du 2 les noirs, sur du 3 les blancs. Et sur du 3, c'est du PV. Donc, t'as tout ça x 3. Ok. Oui, bon. Et il en reste combien ? 5. Ça marche. Je peux pas exploser ? Si. Non. Bam, ça marche. Un petit garçon, viens là. Et du coup, je vais faire 3 pouces là. Je vais essayer de protéger au maximum. Ce monsieur. Ça marche. Ici, c'est à moi. Non, j'ai ma charge de mon. La petite guerre. Donc, il y a 3 attaques de base. Charge, 4, épée tronçonneuse, 5. Touche à 3. Blesse à 5. 2 AP à moins 2. Une. Combien de PV ? Une. Un PV. Et vas-y, tu peux riposter. Passer. Alors, pour te répondre, vos mecs, c'est donc hier c'était Tourop contre Bob l'éponge, Nekton contre Desguard, et cet après-midi c'est Chasseau. Et sur les 3, c'est une, tout, ma foi. Sur les garçons, c'est ça, soit tank. Ça marche. Et moi, vu que j'ai toujours mon bonus, je fais les 13 attaques. Ça t'en fait 3 AP1 moins 1. Une. Un PV. Donc il a 3. Si j'ai pas de bêtises. Oui, il a 3. Mais je peux pas m'éloigner quoi qu'il arrive. Je peux pas m'approcher. Donc ça restera comme ça. Ok. Pam pam pam. On est bon monsieur ? On est bon. Good ? Ouais, c'est bon pour moi. Alors. Donc scoring. Tu refais abattre l'état à capé, t'es à 15. Ouais. Serment de l'instant, t'es au milieu, donc 1 point. T'as tué un véhicule, 2 points. Et t'as pas battu en fait. 3 points. Ça marche. Hop. Moi je mets 4 points de primaire. Et c'est tout. Je prends 1 point de co et on va tirer. Et puis voilà. Ça va aller très vite. Je repousse combien pour toi alors ? Attends, là je fais un plus 9. Et les bannières à la fin, je mets 15. Désolé les gars, on va compter, on va recompter après, t'inquiète pas. Voilà. J'ai vu Manu popper dehors. J'ai utilisé mes 2 points, un pour désengager. Enfin, on a Chazo et Manix qui sont déjà dans la place, les gars. Ils sont là-bas et ils sont en train de se chauffer pour la partie de cet après-midi. C'est caché. T'as fini ton tour 4 5 5. Ok. 5 hein. Oui, 5. Mmh. Ouais. T'es content d'être heureux? Oui. Ok. T'as pas d'intervention héroïque hein. Non, à part avec le judicateur et puis le petit cas, mais tu t'en fous. Donc là, on attaque le dernier tour de LoL, c'est ça ? Ouais, c'est ça, très bien. Bah, j'ai utilisé mes doubles points. Il a faible ici ? Non, non, Ouais, il a faible, ouais. Il revient, full PV. L'ancien stratagème Raven. Ouais, faut que je... Oui, les primaires à la fin, tout à fait. Oui, mais de toute manière, je ferai pas 4 en fait, je pense. Parce que j'ai oublié d'abandonner celui-là. J'ai pas le choix. Non, mais tu le tiens, t'es super OP. Ah oui, c'est vrai, merci. Je suis super OP, est-ce que je peux. Non, je pourrais pas te le voler. Ah si, je suis super OP, donc celui-là, je l'ai aussi, tu l'as pas repris. Non, je peux pas le reprendre pour l'instant. Je pourrais dévoter push si tu m'engages pas. Ouais, mais le but c'est de te laver au tir. Quoi. Donc si je vais utiliser mes 2 points de coup pour désengager. Je l'enlève délicatement. Trop de figurines dans cette pièce. Hop, ça marche. Allez, go. T'as une question pour toi, LOL. Est-ce qu'on connaît à l'avance les scénarios joués au Worlds ? Oui, ils sont à l'ordre. Donc oui, on les sait. Est-ce qu'il y en a encore les X ? Oui. D'accord.
Et ben go. Go. Bah, quoi, je vais claquer 2 CP. Ouais. Et physio et moins 1 pour toucher. Physio et moins 1 pour toucher. Ça marche. Exactement. Ok. Le premier, donc mitrailleuse 1. Et 4 plus. Non, rien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça. On a un invité pas prévu. Tortubène. Oui, j'avais jamais vu Tortubène. J'ai toujours vu son pseudo dans les chats et tout, mais j'avais jamais vu. Donc à 4 plus. Quelqu'un de bien sympathique. Là. Ça a l'air d'être une bien belle personne. J'en ai 2, j'ai 3 finaux. Comme tous les gens ici d'ailleurs. Avec la petite carte. On n'a pas parlé de Namek. L'Elix, tu le déclenches quand? Je garde des 3. Ah, là, j'en ai Namek. C'est la première blessure. Notre Mort. Notre goûteur. Notre critique culinaire. C'est notre journaliste. C'est notre critique Wargame. Mais par contre, c'est un critique Wargame, mais que. Ouais. C'est vraiment une critique exclusive. Ouais, c'est une critique normale sans PA, donc elle a 2 plus. Ça marche. 1, 2, 3. Non, c'était à 3 plus. Ouais, 3 plus. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont pas motivés. Hein. Non. À 4. Allez, ah, c'est joli. À 4. Et à 4. Et bah non, tu vois, ils sont pas 2, s'il te plaît. Donc 2 à 4 plus. Finopain à 6. Faut pas ça ici, faut ça au frigo. Premier mort. Un joli. Et mort. Allez hop. Un mort. Ça marche. Bon bah voilà. Et on va charger, tu vas me tuer. Ouais, tu vas me tuer. Il y a des chances que je te tue. Bah ouais, en plus, ouais. Mais bon, je l'ai encore. Ça marche. Et bah voilà. Non, là tu l'as vu. Je suis super OP moi. Ah, mais c'est des questions que je t'ai posées. Hein. Ah oui, t'es super OP. Parce que tu t'en vas de l'objet, donc je suis. Ah ouais, mais oui, je compte plus pour 5. Ouais. Bah, pff, que je te l'offre, ouais. Et en plus, l'objet chez soi, on ne contrôle pas. Ça a été dit tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, quitte à mourir, autant mourir. Hein. C'est chiant, on ne contrôle pas. Autant mourir. En fait, on contrôle définitivement une fois qu'on a contrôlé la bénéfice. C'est une one seulement ? Ouais. Ça marche pas sur cela ? Non. Bah, en fait, oui, j'aurais pas désengagé, mais c'est pas grave. Parce que j'ai pas grand-chose, c'est pas grave. 4, et ben, 1, et 1, s'il te plaît. À 3 plus, c'est bon. Ça marche. Allez, tape. Je fais une intervention heroïque avec le... Oui, charger les deux. Hein. Ah, tu as les deux. Ouais, c'est pas la peine. Vas-y, tape. Alors, l'apothicaire. Rien du tout. Et 3, 4, et 2, et 3. Et je vais pas tout le tomber, je pense. On va quand même finir la partie avec... Non, je pense pas. Avec moins de 15, il y a deux, pas plus moins 1. Non, je te le tombe pas. Non. Bon, moi, je te le reprends. Donc, je marque 4 points. Voilà, il c'est 4 tout. Points à la fin. Comme good. On rajoute 4 points de primaire pour LOL, et toi tu remets du point sur le serment ou pas? Serment, je max. Non, je crois qu'il me manque un point ou deux. Un point Pousse, non. Attends, on va le faire proprement. Ouais, on va tout faire proprement. J'ai pas envie de bâcler cette affaire. J'ai 15 points de bannière. Ça, c'est alors attends, on finit sur LOL. LOL, tu remets 4 ici. Je crois que ça a été noté. Non, ça a été noté. Ouais, c'est noté. Regarde, on est à 5 tours, il y a 5 carrés. Non, mais c'est pas les carrés. Non, c'est pas les carrés. Ok, honneur. Honneur, je mets rien. Donc je perds même 3 points, parce que je suis déshonoré. Tu mets 0 points sur honneur, du coup. Les pouces. Choco pouce. Qu'est-ce que j'ai là? Ils ont engagé. J'ai quoi? T'es à 9 pour l'instant sur les choco pouces. Bah, j'ai 2. Non, je mets 0. Donc tu capes choco pouce à 9. Et c'est là, fini. Tout à fait, Marshall. Tu le capes à 10. J'ai tué 2, 3. 3 plus le signe. Et le boss. C'est ça? Ouais, tout à fait. LOL, tu captes ta part 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 20 et tu mets 24 de primaire. On est d'accord, tu captes ta partie à 24 et 9, 33. Non, plus que ça. 43. Plus que ça. Il te manque au moins 4 points de primaire minimum. Mais moi, vous m'avez dit qu'il les avait mis les points de primaire à la fin du truc. Donc, Attends, au T1, tu fais. Non, il lui manque 4 points de primaire, c'est sûr. Parce que tu m'as compté 5 arômes, mais il a fait au minimum 2 tours à 8. Tout à fait. Il a fait 2 tours à 8. Il a fait 2 tours à 8. Il a fait 1 tour à 0, il a fait 2 tours à 8. Et 2 tours à 4. Et 2 tours à 4. Et j'ai marqué. Et ça fait 24. Et j'ai fait 2 fois l'action. Et j'ai fait 2 fois l'action. Et t'as fait 2 fois l'action, donc fois, ça, fois, fait, fois, ça fait 26. Ça fait 26. C'est ça? C'est bien ce que je dis. 8 et 8, 16. Non, 28, ça fait 28. Oui. Oui. Ça fait 28 points de primaire, 28 et 9, 37, 37 et 10, 47. 47 points finaux pour Lika. Au niveau des primaires, côté SM. Je fais 3 tours à 8, 1 tour à 4. 8, 8 et 4, ok. Tu fais 3 tours à 8. Ah, mais tu ne les as pas marqués. Oui, okay, le tour d'avant, je ne l'ai pas noté. C'est inadmissible. Dès que je suis plus là, ça part en couille de toute façon. 3 x 8. 24. Merci. Plus 4.
28 et 6. 32. Ok, on est à 32 points de primaire pour Kuro. Abattez-le. 15, cap. 15, cap à 15. Serment. Le serment, 14, cap à 15. À 14, ouais, 14. Ouais. Un tour, les bannières, 15. Et les bannières, 15. Ce qui nous fait 15 et 15, 30. 62, et 14, 68, 44. 44 et 32. 44 et 32. Mais que si c'est gars de 24, ils disent le chat. Ils sont quoi? Ils sont pas contents. Vous me saoulez là. Ça y est, vous me pétez les couilles. Tu fais 70, 80, non 80 15, ça fait 40, 44, 44 et 30, 74 et 2, 76. Ok, qu'est-ce qu'ils sont pas d'accord? Ils veulent quoi les gars? C'est 36, 34 36. En fait. C'est 34. C'est 34. C'est pas 32. Qui? Au primaire. Qui? Primaire. Putain, mais aidez-moi, bordel! Ah, ceux-là, là ouais. Oui! C'est 78. Oh, là, je m'étais dans ma galère! 78. Bien joué, l'homme. 78. Belle game à toi. Ouais. Les gars! Courage pour la suite. 78 à 47. 47 pour mon Loli Chouché, chéri. Chéri Choucou, là. C'était cool de t'avoir, lol, t'es venu yes. Avec tes Zika. Kuro, c'était cool de t'avoir, on va jouer quand je vais jouer avec toi. Et oula, je te le promets, je. Sur le papier, je préfère jouer contre toi que contre les Zika. Avec les Nécrons, je t'avoue que l'Ika me fait peur. Tu me fais peur aussi. Mais lui me faisait très peur. Toi, tu me fais juste peur. Voilà. Il y a toujours une notion de peur. Il y a toujours une notion de peur. Voilà. Fin de partie. Donc, les gars, je vais vous laisser quand même prendre le temps de débriefer pendant 2 minutes. Je vais commencer par toi, Kuro. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Ton game plan? Bah, en fait. Ok, lol, du coup. J'ai pas trop à dire parce qu'en fait, tout se joue sur la charge des centurions en fait. Les autres, c'était des bonus, ça permettait d'avancer plus. Ouais. Mais en fait, juste avec les charges des centurions, je pense que je lui mettais très mal et il avait trop de mal à remonter à cause de ça. Ouais. C'est une charge à 9 rerolls, mais sur un match en 1 contre 1 comme ça, je suis obligé de la tenter parce qu'il est tellement groupé que. Donc, c'est pas. Ouh. Merci, RTT. RTT, il nous a saucé à mort là, non? 9 abonnements. 9 abos, ouais. Bah, je sais pas du tout comment ils font ça, les gens qui nous filent des abos. Si, en fait, quand t'es Amazon Prime ou je sais pas quoi, t'as des abos que tu peux donner. Une fois que t'es abonné, tu peux donner des abos. Ah, ça fait trop plaisir, les gars. Merci, merci RTT, t'as merci assuré de ouf. Et tu nous permets d'atteindre l'objectif de 70 subs. C'est incroyable, vous êtes incroyaux. Pensez à follow tout le tout team. On finit, excuse-moi, Kuro, sur le débrief. Donc en gros, ouais, je pense que tout joue sur la charge des centurions. Alors après, effectivement, je l'ai joué ultra défensif parce que je savais la puissance de l'Ika au tir, ça fait vraiment peur. Ouais. Si je les avais sortis un tout petit peu, ils étaient déjà plus là, T2. Ouais. Donc clairement. Mais ouais, tout joue là-dessus. C'est si je ratais ma charge, ils me tuaient. Je réussis ma charge, bah, ça se passe comme ça se passe là. Ça se passe comme ça devait se passer. Mais en fait, si j'avais pas eu le T1, je pense que le score s'inversait. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il pouvait. En fait, tu venais et tu me disais, bah, si tu viens, tu prends la douche. Donc je pense que le score, c'est un très gros T indépendant. Okay. Sur ce scénario-là, avec cette table-là. Ouais, ce on a vu tourner les centurions, ils ont fait le taf, hein, corps à corps. On note en plus la save à 2+, avec l'armure of content, ça marche très bien. Et puis surtout, avec un apothicaire, tu reviens avec deux centurions. Ça, c'est, combien un centurion, 80 points? C'est 390 et 5. Bon, c'est beaucoup de points que tu récupères. 80. Tu récupères quand même pas mal, tu grabes beaucoup. C'est 60-65 points, bon, peu importe. Mais tu grabes quand même beaucoup de points là-dessus. Est-ce que tu avais déjà joué contre LoL? Non, c'était la première fois que on s'est déjà croisé un club de fois en tournoi. Est-ce mais... que tu as apprécié jouer contre LoL? Oui. C'est une bien belle personne. Oui, tout à fait. Et... tu étais très agréable. Comparativement à d'autres games qu'on a vécu ensemble. Comparativement à d'autres games, je l'ai trouvé très agréable. Oui, tout à fait. Voilà. Il est venu avec beaucoup d'humilité et il a été bon. Il a été bon parce que ça fait plaisir. Vas-y, débrief. belle game. Je connaissais exactement les menaces. J'ai fait 2 erreurs, enfin j'aurais pu volontairement refuser ce plan là, à partir du moment où il a mis les centula. Je me suis avancé, ça lui a fait un tremplin. En fait, voilà, c'est une game aussi où, comme il l'a dit Kuro très intelligemment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a le T1, il va prendre un peu le lead sur le score, c'est élimination directe, donc je suis obligé de me mettre à risque sur certaines choses. C'est ça, oui. En fait, j'ai fait 2 erreurs sur le papier. C'est la charge loupée au milieu pour aller éliminer le centre, pour lui enlever le serment de l'instant, qui rallongeait potentiellement la charge des centus sur moi. Ouais. Donc là, je lui ai offert un tremplin. Ça, c'était. Voilà. Mais j'avais ce risque-là à prendre. Ouais, ouais. Et là, il aurait fallu que je recule, en fait. Il aurait fallu que j'inverse, que je dépolarise. Ouais. Bon, voilà. Mais le but, c'était aussi de jouer, de montrer, d'y aller un peu plus. J'ai eu une phase de tir, le T1, qui n'a pas été bonne. Parce que normalement, les blades,
avec les, le strat des mortels. Et puis les deux vindicateurs aussi. Voilà. Et les deux vindicateurs qu'il a pu jouer un peu. En fait, normalement, les deux vindicateurs, et peut-être pas tous les blades, mais les blades devaient prendre cher. Ouais. J'ai fait une autre erreur, c'est qu'en fait, dès le début, j'aurais dû lui mettre la pression pour le primaire secondaire et utiliser les mortels là pour les munitions. Et devoir rester champion des impérialistes. Donc j'ai fait deux, trois petites erreurs. Mais j'étais obligé de prendre des risques. Et après, les charges des centus, elles plient la game en fait. Parce que charge à 9 plus les blade guard qui ont chargé. Hein. Ils, avaient, oui, la ils place, ont chargé. Ils avaient la place. Hein, ouais, ouais, large. Tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Je dis qui ont chargé, bah voilà, ça plie la game quoi. Donc à partir du moment où je perds un gros, j'avais exposé. Donc j'assume, il n'y a pas de soucis. Belle game et j'ai hâte de voir la game Necron Black Templar. T'inquiète. Venez chez moi. Merci en tout cas, Kuros. C'était super game. C'était très cool les gars, merci à tous ceux qui nous ont follow sur cette partie. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de replay sur Twitch. Cette partie là, elle disparaît le temps d'un instant. Elle va disparaître complètement. Elle ne va pas disparaître. Elle va disparaître immédiatement. Voilà. Titre, j'annonce direct, le titre de cette vidéo, ça sera quart de finale IK contre Black Templar / LOL prend une fessée. Voilà, ça sera dans le titre YouTube. Le titre YouTube, ça sera tout dans le petit. Tout dans le petit. Voilà. Je le m'y engage, le titre sur les YouTube. Les centurions, tout dans le petit. Ça sera tout dans le petit. Avec voilà. Le siège drill, je te laisse imaginer. Même à la fistinière, ils osent pas, quoi. Exactement. On se retrouve, il doit être 13h passé, on se retrouve à 14h pour la partie Toh contre Thousand Sounds, Shazo contre Manic. Ça va encore être une super partie. On compte sur votre présence. On compte sur vous aussi pour diffuser massivement sur les réseaux, pour rameuter la communauté sur ces lives incroyables qu'on vous réserve. Gros merci à Franck qui a encore géré tout ça d'une main de maître et qui est soutenu par tout un panel de camarades. On les citera. On fera un shout-out général à la ça fin de la journée. Ça va tourner. De toute façon, c'est absolument génial. Je vous propose de quitter et on se retrouve dans moins d'une heure. On se retrouve pour la game suivante.